des femmes en mission ici? Amen. Est-ce qu'il y a des mamans en mission ici? Amen. Est-ce qu'il y a des mamans en mission ici? Amen. Si vous êtes là, acclamez pour Dieu. Je vais vous lire un mot de bienvenue dans cette conférence des femmes. Alléluia. Amen. C'est vraiment un petit mot. Amen. Donc, à tous les serviteurs et servantes de Dieu, distingués invités, chers frères et sœurs, notre mot en ce jour de grâce que le Seigneur vous a accordé, et nous sommes très heureux de vous accueillir au sein de l'Église de Dieu, le Réveil de Liège, Belgique. Et vous souhaitons de tout cœur la bienvenue, alléluia, à cette quatrième convention de la femme qui a pour thème « Rétablir l'identité et le rôle de la femme dans l'Église, la famille et la société » qui débute ce 29 juin et ce 29 juin au 1er juillet 2017. Que ta grâce inspire notre action et la soutienne jusqu'à la fin pour que cette convention prenne sa source à toi et reçoive de toi son achèvement par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Je veux te louer Seigneur encore et de tout mon cœur. Sois élevé mon sauveur à chaque jour, à chaque heure. Tu m'as réveillé ce matin pour me faire encore tant de bien. Gardé sous ta bonne main et ton amour qui me soutient. Comment te dire combien je t'aime et m'exprimer sans trop de peine, avec ces mots parfois les mêmes, pour déverser mon âme pleine. Quand je pense à toutes tes bontés, que je ne puis même pas compter, de tout cœur et sans hésiter, pour toi je me mets à chanter. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Louer Seigneur, encore et de tout mon cœur. Sois élevé mon sauveur, à chaque jour, à chaque heure. Tu m'as réveillé ce matin, pour me faire encore tant de bien. Gardé sous ta bonne main, et ton amour qui me soutient. Comment te dire combien je t'aime, et m'exprimer sans trop de peine. Avec ces mots parfois les mêmes, pour déverser mon âme pleine. Comment te dire combien je t'aime, et m'exprimer sans trop de peine. Avec ces mots parfois les mêmes, pour déverser mon âme pleine. Quand je pense à toutes tes bontés, que je ne puis même pas compter, de tout cœur et sans hésiter, pour toi je me mets à chanter. Alléluia, amen. Oh, amen. Alléluia, amen. Il connaît bien tous mes besoins. Mon avenir est mes lendemains. Quand j'aurai plus toujours mes mois, je ne m'inquiéterai de rien. Il est la réponse à mes questions. Pour mes problèmes, la solution. Quand tout semble être silent, il fait toutes choses en son temps. Mes ennemis peuvent s'avancer, essayer de m'environner. Quand je prie, Dieu soit loué. C'est eux qui sont dispersés. Alléluia, amen. Alléluia. Jésus, le nom qui rassemble.
le nom qui met ensemble. Tu n'as pas changé. Amen. Jésus, Jésus, le nom qui rassemble, le nom qui met ensemble. Tu n'as pas changé. Amen. Alléluia. Oh, le roi des rois, c'est Jésus. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 alléluia.
femmes en mission pour Christ. Est-ce que vous êtes là? Alléluia! Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut encore acclamer, pousser des cris de joie pour le Seigneur des Seigneurs? Hey! Alléluia! Alléluia! Amen. Il est vivant! Amen. Vous êtes fatigué? Non! Dans la présence de Dieu, on ne se fatigue pas. Alléluia! Amen. Dans son palais, tout s'écrit! Gloire! Dans son palais, tout s'écrit! Gloire! Dans son palais, tout s'écrit! Gloire! 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 Alléluia! Amen! Yes, 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 yes! Alléluia! Comme je viens de dire, c'est 3 jours, ça sera 3 jours merveilleux. Amen, amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur fera de grandes choses. Amen. Jésus-Christ est rentré dans le temple. Il a dit, il n'est pas possible que Satan lie une fille d'Abraham. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des filles d'Abraham ici? Amen, amen. Est-ce qu'il y a des filles de l'Alliance ici? Amen. Est-ce qu'il y a des filles d'Abraham ici? Amen. Et vous êtes assises. Est-ce qu'il y a des filles d'Abraham ici? Amen. Oh, Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, avant d'inviter Myriam, nous allons encore danser. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes des filles d'Abraham. Nous sommes dans l'alliance d'Abraham. Amen. Nous sommes libres. Amen. Si tu étais rentré ici lié, je te dis, pendant ces 3 jours, quelque chose va se passer dans ta vie. Bien-aimé, le Seigneur fera de grandes choses. Bien-aimé, parce qu'il a envoyé la parole. La parole est puissante. Bien-aimé, on ne va même pas te toucher. Quand tu vas écouter cette parole-là, ta vie va changer. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aime les filles d'Abraham. Alléluia. Les filles qui sont rassurées parce qu'ils ont un Dieu. Amen. Ils ont quelqu'un. C'est quelqu'un qui n'aime pas les voies courbées. Il est rentré dans le temple. Le jour de sabbat, il a dit non, non, non. Il n'est pas possible qu'une fille d'Abraham soit courbée. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des filles d'Abraham ici? Oh, moi, je ne suis pas courbée. Lord. Alléluia. Amen, amen, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous allons encore danser. Amen. Nous allons danser, alléluia. Nous allons danser pour ce Dieu-là. Amen. C'est vrai, je vous ai dit au début, c'est le jour des fêtes. C'est 3 jours, c'est les 3 jours des fêtes. 3 jours de libération. 3 jours de joie. 3 jours de liberté. 3 jours de transformation. 3 jours de régénération. 3 jours où il va toucher. 3 jours où il va consoler. 3 jours où il va essuyer les larmes. 3 jours où tu vas être libre. 3 jours où tu vas vivre des miracles. 3 jours où ta vie va changer. Parce que tu n'es pas n'importe quelle femme. Tu es une femme choisie. Amen. Une femme distinguée. Amen. Une femme mise à part. Amen. Tu ne peux pas Amen. Demeurer courbé. Non, non, non. Tu as droit à la liberté. Il est mort à la croix pour toi. Il est là pour nous réconcilier Amen. Avec le Père. Que personne te condamne. Merci. Tu n'es pas appelé à la condamnation. Oh, merci, tu es appelé Seigneur. À la liberté. Oh. Tu es libre au nom de Jésus. Oh. Est-ce qu'il y a des femmes en mission pour Christ en ce lieu? Est-ce qu'il y a des femmes qui connaissent leur identité en ce lieu? Ah, je ne vous vois pas les sœurs. Je ne vous vois pas les mamans. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Oh. Encore adorer notre Dieu, nous voulons encore danser pour la gloire du nous Seigneur. Nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie. Appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, je me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie. Appelé pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui oui, je sais. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je ne vois pas les mamans. Je sais.
sais qui je suis, je connais mon identité. Moi je sais qui je suis, je connais mon identité. Moi je sais qui je suis, je connais mon identité. Où êtes-vous la femme, je ne vous vois pas danser. Moi je marche avec puissance, j'ai compris des miracles, j'ai mis une vie de faveur. Moi je marche avec puissance, j'ai compris des miracles, j'ai mis une vie de faveur. Moi je marche avec puissance, j'ai compris des miracles, j'ai mis une vie de faveur. Quelqu'un est mort pour toi. Amen.
Quelqu'un a donné sa vie pour toi. Amen. Tu n'es pas n'importe quelle femme. Amen. Je sais qui je suis. Quelqu'un m'a racheté. Amen. Quelqu'un m'a racheté. Alléluia. M'a ramassé. Amen. Quelqu'un m'a dit va. Amen. Allez, faites-le toutes les nations mes disciples. Amen. Alléluia. Amen, amen. J'ai rencontré quelqu'un à la croix. Amen. J'ai rencontré un homme à la croix. Amen. Il a essuyé mes larmes. Amen. Autrefois, je vivais dans la condamnation. Oh, il est celui qui est venu enlever la condamnation. Alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu. S'il est pour moi, qui sera contre moi? S'il est pour moi, qui me condamnera? Qui m'empêchera de parler son nom? Il est Dieu. Je sais qui je suis. Je suis dans l'alliance d'Abraham. Je suis dans l'alliance d'Abraham. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis dans l'alliance d'Abraham. Voilà pourquoi tu vas acclamer pour toi-même. Acclamer pour cette écrit de joie. Acclamer pour cette écrit de joie. Alléluia. Jésus. J'aime mon Dieu. J'aime le nom de Jésus. Amen. J'aime Jésus. Amen. C'est lui qui nous a réconciliés avec le Père. Amen. Autrefois, nous étions des femmes rejetées. Amen. À cause de Jésus, nous avons de la valeur. Amen. Voilà pourquoi tu vas acclamer pour Jésus. Acclame! Jésus. Amen, 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 amen. Il est digne de recevoir nos acclamations. Alléluia. Il est digne, notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés, je vais inviter les Myriam, qui n'est qu'un sous-département de la Femme en Mission pour Christ et l'équipe de toutes les chantres de l'Église. Elles vont nous interpréter deux chants. Nous allons inviter les Myriam et pendant qu'elles s'avancent, je vous en prie, vous pouvez acclamer pour la gloire de notre Dieu. Nous acclamons pendant que les Myriam s'avancent pour glorifier notre Dieu. Amen. Bonsoir à tous. Le chant que nous allons interpréter s'appelle « Ma référence » parce que nous avons choisi Jésus comme notre référence. Il est notre modèle, comme maman Bijou l'a dit tout à l'heure. Elle a dit « Devant Dieu, il n'y a ni femme ni homme, pour nous tous, ni enfants d'ailleurs, parce qu'il nous prend tous en considération. » Voilà pourquoi nous avons choisi Jésus-Christ comme notre référence. Si vous choisissez Jésus comme votre référence, vous pouvez vous mettre debout. Dans cette vie quotidienne, chacun de nous a sa référence. Maman, il nous donne un modèle à suivre. Modèle à suivre. Qui pour toi est infaillible. Maman, dans cette vie quotidienne, chacun de nous a sa référence. Maman, il nous donne un modèle à suivre. Modèle à suivre. Qui pour toi est infaillible. Maman, j'ai choisi ma référence. Oui, j'ai Jésus pour référence. Jésus, ma référence. Jésus, Jésus, ma référence. Jésus, Jésus, ma référence. Jésus, Jésus, ma référence. Il m'a appris l'humilité. L'humilité. Quelque point, il s'est rabaissé. Maman, il m'a allé jusqu'à laver les pieds. Laver les pieds. Laver les pieds de ses disciples. Oh Jésus, quelle humilité. Oh Jésus, quelle humilité. Jésus, ma référence. Jésus, Jésus, ma référence. Jésus, Jésus, ma référence. Jésus, Jésus, ma référence. Il m'a appris l'humilité. L'humilité. Bien que quand il s'est rabaissé. Maman, aller jusqu'à la veille et pieds. Laver les pieds. Laver les pieds de ses disciples. Maman, oh Jésus, quelle humilité. C'est lui que j'ai pour référence. Jésus, ma référence. Jésus, Jésus, ma référence. Jésus, Jésus, ma référence. Jésus, Jésus, ma référence. Il m'a
Komoya mi kolonyoso Mi kolonyoso Kolonyoso azananda kisa Mama Da kiso yo ako kikolanda Kolanda Kolomoka ko kikokwe ukate Mama Na komoya mi kolonyoso Mi kolonyoso Kolonyoso azananda kisa Mama Da kiso yo ako kikolanda Kolanda Kolomoka ko kikokwe ukate Mama Mamma mia, mia, mo, si cambonanga, etalingana, ye, ae, 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 kita tala, yesuranga yo, mamma mia, mia, mo, si cambonanga, etalingana, ye. Naina beba kide ko beba, naina bunga kide ko bunga, e. Na monika kambala kisinganze la moko ye Balobina kokuta libalande kuna Balobina kokuta mapambo likuna Balingana ngayo Kalatala ya mkolo Aye Kitalatala ya mkolo Koti kambala ye mbao Kitalatala ya mkolo Nakulisa kambela ngayo Kitalatala ya mkolo Kitala tala pasteur et pas joué Kitala tala mama Natalie Kitala tala mama Twambilangana Tala kitala Tala kitala Tala kitala Aye 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 Kitala tala Yesu nangayo Mama mia mia mo Nikambolanga etalingana ye Aye 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 Nizala tala Yesu nangayo Mama mia mia mo Nikambolanga etalingana ye Miriame Aye 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 Nizala tala Yesu nangayo Mama mia mia mo Nikambolanga etalingana ye le Seigneur. On acclame, on acclame, on acclame. Nous allons célébrer encore Dieu. Yeah.
yombe miso ya miso to yembe yo e yesu yo ta elombe ya ya e elombe ya ya nanga e miso no kumisio e yesu yo ta elombe ya we nanga Elombe, 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 Lola kumanga, eh Yahweh kumanga. Sola 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 tomona, lelo 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 lelo. Itomona, lelo. Yahweh, 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 Yahweh,
yes, oh, yo, I am a be, yes, oh, yo, yes, oh, yo, I am a be, yes, oh, yo, yes, oh, yo, I am a be, yes, oh, yo, yes, oh, yo, I am a be, yes, oh, yo, yes, oh, yo, I am a be, yes, oh, yo, yes, oh, yo, I am a be, yes, oh, yo, yes, oh, yo, hallelujah, yes, oh, yo, I am a be, yes, oh, yo, yes, oh, yo, I am a be, yes, oh, yes, oh, yo, I am a be, yes, oh, yo, yes, oh, yo, I am a be, Anyati, 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 yes, Anyati, 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 pas blocage, Anyati, 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 freinage, Anyati, 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 pas blocage, Anyati, Alenyata, 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 Satan, Anyata, Alenyata, 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 Satan, Anyata, Alenyata, Alenyata, Anyata, Satan, Anyata, Anyata, oh, Yahweh, 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 yes, oh, yo, yes, oh, yo, I am a be, yes, oh, yo, yes, oh, yo, I am a be, yes, oh, yo, yes, oh, yo, yes, oh, yo, I am a be, yes, oh, yo, yes, oh, yo, I am a be, yes, oh, yo, yes, oh, yo, I am a be, yes, oh, yo, yes, oh, yo, I am a be, Anyati, 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 yes, Anyati, 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 yes, Anyati, Anyati, Anyati. Yahweh, 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 de passer, bien-aimés, à notre programme et avant d'écouter la parole de Dieu, nous ne pouvons passer cet instant sans appeler le père de cette vision, le père du mouvement Femmes en Mission pour Christ, le père qui a été obéissant, qui a été à l'écoute du Saint-Esprit, qui a été obéissant afin de voir que la femme était indispensable aux côtés de l'homme pour accomplir la mission de Dieu de manière harmonieuse et qui a laissé la place à la femme pour qu'aujourd'hui la femme puisse œuvrer aux côtés de l'homme. Alors nous allons acclamer, nous allons faire une ovation pour notre papa, nous allons acclamer pour le pasteur Pajo Malosa Mandengo. Alléluia! Et notre Dieu est merveilleux! Amen, amen, amen! Là, vous avez ovationné pour un homme. J'aimerais qu'on ovationne pour celui qui nous a réunis. Celui qui n'a pas regardé ce qu'il était. La Bible dit n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais c'est lui qui nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Et c'est lui qui a payé un prix qu'on ne pouvait pas payer, ça qu'on ne connaît, ça qui nous, sans qu'on sache même ce qu'on valait. Mais lui, il a déjà vu ce qu'on valait. Parce que si nous sommes là, c'est lui qui nous donne encore une valeur. C'est lui qui permet que nous soyons là. Est-ce qu'on peut ovationner pour celui qu'on appelle le roi des rois? C'est lui qu'on appelle le Seigneur de Seigneurs. C'est lui qui a tout vaincu. C'est lui qui a payé. C'est lui qui a fait que nous soyons là. Il mérite la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour l'amour que vous avez pour notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a fait que ces jours aient lieu. C'est lui qui a fait que nous puissions être là. Que le Seigneur vous bénisse pour cela. Vraiment, c'est une joie d'être là devant vous et de tenir ensemble cette quatrième convention
de la femme en mission pour Christ. Comme la sœur Jolie vient de le dire, c'était vraiment une vision que j'ai reçue de la part du Seigneur. Et cela date quand même plus de 10 ans depuis que j'ai reçu cette vision. Et les gens, il y a certaines femmes qui ont épousé la vision. Vous savez que la vision, tout le monde ne l'épouse pas au même moment. Mais nous rendons grâce à Dieu et nous allons honorer ces femmes qui, au début, ont épousé cette vision. Ils ont travaillé avec moi, à mes côtés, jusqu'à ce qu'on soit aujourd'hui à la 4e édition de la Convention de femmes. Donc, les dimanches, parce qu'il faut du temps, on va honorer ces femmes-là. Les dimanches, on va les présenter, on va les honorer. Parce que la Bible dit l'honneur est pour ceux qui craignent Dieu. Vous savez, beaucoup de gens, ils aiment honorer Dieu et par hypocrisie, pour ne pas vouloir honorer des personnes que Dieu met à leur côté, des personnes que Dieu élève. Dieu dit, nous sommes des menteurs. Si nous ne pouvons aimer et honorer ce que nous voyons, alors nous sommes des hypocrites quand nous cachons en nous protégeant, en disant que nous honorons Dieu. La Bible dit l'honneur est pour ceux qui craignent Dieu. L'homme aussi doit être honoré. Alléluia. Donc nous allons honorer ces femmes le dimanche, pendant notre dernier jour. Mais je suis vraiment dans la joie. Je bénis mon Dieu parce que vous savez, la vision de la femme en mission pour Christ, Dieu m'avait donné ces fardeaux-là par rapport à ces textes de la Bible de Genèse chapitre 2, le verset 18, où Dieu avait dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et la vision est partie de là. Le Seigneur a commencé à m'inspirer. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas voulu que l'homme soit seul et quelle a été l'importance de cette équipe dont l'ennemi combat nuit et jour pour faire échouer les plans des dieux. Mais béni soit le nom de l'Éternel, parce qu'il y a des personnes qui payeront le prix afin que ce que Dieu a voulu dans le jardin d'Éden continue jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Alléluia. Peu importe les déviocianismes, peu importe tout ce qui c'est les modifications. Vous savez, l'homme aime bien modifier les choses. Mais quand lui-même le Seigneur était sur la terre, on a voulu l'entraîner sur un terrain de polémique en ce qui concerne les divorces. Lui, il était revenu au commencement. Il avait dit, n'avez-vous pas lu ce que le Créateur avait dit au commencement? Lui, il n'entrait pas dans les polémiques, dans les modifications. Lui, il est resté à l'original. Alléluia. Et nous croyons que la vision, la pensée de Dieu, de cette équipe homme-femme, demeurera jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Alléluia. C'est pour cela que nous avons initié ce mouvement Femmes en mission pour Christ, avec comme objectif d'encadrer, de former cette femme, pour que cette femme-là aussi soit encadreur de la femme, pour défendre la vision de l'équipe homme et femme. Il n'y a que cette équipe-là qui peut accomplir le plan de Dieu sur cette terre. Il n'y a pas homme, il n'y a pas femme, peu importe ce qui se passe. Mais nous sommes dans la Bible. Alléluia. Et il y avait un mouvement, un vent à cette époque-là qui soufflait en Europe où il y avait des avantages. Il faut être femme seule pour avoir beaucoup d'avantages. Et cela était devenu une mode. Mais Dieu a permis qu'on puisse détecter ces complots. Et nous nous sommes battus et nous bénissons le Seigneur parce que depuis là, nous voyons des équipes hommes-femmes. Alléluia. Et de cela, nous avons développé des visions sociales par rapport à cette femme en mission pour Christ, qui est une femme discrète, qui est une femme de vision, qui est une femme de prière, qui est une femme vigilante, qui est une femme persévérante. Alors, il y a tout un enseignement là-dessus, mais bon, moi, je ne suis pas là pour enseigner. Dieu a envoyé quelqu'un pour des choses qu'il a prévues d'avance pour que nous les accomplissions. On va vous donner des flyers par rapport à la vision, on va vous les distribuer, vous allez comprendre et lire la vision. Alléluia. Une femme vigilante avec comme objet social, mais nous soutenons des orphelins, nous encadrons, nous parrainons des veuves, mais l'objectif, la vision, c'est quoi? C'est rendre les veuves autonomes financièrement et ensemble avec ces veuves-là, nous prenons en charge les enfants orphelins ou les enfants de la rue. Amen. Donc nous avons déjà une équipe, nous avons quelques veuves en RDC et nous avons aussi un orphelinat où nous faisons cet objet social. Alléluia. Donc ça, et on vient d'ajouter encore un deuxième objectif ou mission, c'est par rapport à encourager, par rapport à créer un espace pour que les femmes qui sont victimes de viol se sentent libres de s'ouvrir et de parler, parce qu'on a constaté que beaucoup de femmes
En tout cas, ça fait 17 ans que je suis dans le ministère. Vous savez, chaque fois que Dieu permet qu'une femme vienne me voir et qu'elle ouvre son cœur, vous allez voir qu'elle a été au moins une fois victime de viol, victime des attouchements, victime des abus, victime de la domination masculine. Et ces choses, elles ont tellement marqué, même des femmes de 50 ans, lorsqu'elles vous parlent de cela, c'est comme si cela venait de se passer hier. Vous voyez, il y a la blessure, il y a toujours, elle pleure. Alors nous avons ajouté ces volets-là qui sont en train de mettre en place un cadre pour accompagner ces femmes, les écouter, les conseiller et aussi prévenir cela pour nos jeunes sœurs. Alléluia. Donc ça aussi, c'est quelque chose que nous sommes en train de mettre en place et que nous avons ajouté aux objectifs de la femme en mission pour Christ. Et c'est cette femme en mission pour Christ qui nous a réunis pour cette quatrième convention dont le thème, vous connaissez, rétablir l'identité de la femme. Alléluia. Son rôle à l'église, son rôle à la famille, son rôle à la maison. Vraiment, je bénis le Seigneur parce que nous avons passé beaucoup de moments pour préparer cette convention et beaucoup de combats aussi. Mais chaque fois qu'il y a des combats, nous savons que ça cache de grandes choses, ça cache de grandes bénédictions, ça cache de grandes victoires. Parce que quand l'ennemi sait que la chose que vous êtes en train de préparer n'a pas d'impact ou n'a pas une influence quelconque, l'ennemi ne perd pas son temps, il ne vous combat pas. L'ennemi ne combat que ce qui est important. L'ennemi ne combat que ce qui peut le nuire. L'ennemi ne combat que ce qui peut donner un résultat. Alléluia. Alors nous bénissons le Seigneur pour tous les combats que nous avons connus pendant le préparatif de cette quatrième convention. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, suivez attentivement les quatre jours que le Seigneur nous a donnés. Tandis que nous étions en train de préparer cette convention, le Seigneur nous a dit, il y avait une spécificité que Dieu a communiquée à la femme pour cet âge qu'il vient de nous accorder. Parce que vous savez, à chaque âge, il y a aussi une maturité. Donc c'est vraiment une convention de la maturité, parce qu'il a dit qu'il nous a communiqué le cœur de lion, un cœur qui ne recule pas face aux défis, mais un cœur qui va affronter les défis comme un lion ne recule pas, mais il affronte l'adversité et les défis. Alléluia. Donc après cette convention, tu seras mature, mûr et capable d'affronter tous les défis que tu auras à faire dans la vie. Tu seras capable de les affronter. Je croyais que je parlais aux femmes que le Seigneur a prévu de faire des grandes choses. Alléluia. Donc suivez très bien cette convention, notez ce qu'il y aura à noter et priez quand il s'agira de prier. Mais je vous dis, quelque chose se passera dans votre vie après cette convention. Vous ne serez plus la même femme qui autrefois était pleureuse, qui retirait, qui fuyait l'adversité. Non, vous affronterez la vie avec un autre réalisme. Alléluia. Ce ne sont pas des slogans, mais c'est des choses que Dieu a prévues pour faire. Voilà pourquoi il nous a envoyé une servante, pas n'importe laquelle. Je sais ce que je suis en train de dire. Alléluia. Pas n'importe laquelle. J'ai eu à parler encore avec cette femme hier et j'ai compris pourquoi est-ce que Dieu l'a choisie, pourquoi est-ce que Dieu l'a envoyée. Alors j'aimerais vous dire, connectons-nous avec la grâce qu'a cette personne que Dieu a envoyée. Bénissons-la, honorons-la. Alléluia. Parce que vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui, ils aiment Dieu sans aimer les hommes de Dieu. Je vous dis, Jésus l'avait dit, si vous n'aimez pas ce qui vous apporte la parole, il dit, vous ne verrez pas mon visage. Avant de voir le visage du Seigneur, il faut dire qu'il soit béni celui qui vient au nom de l'Éternel. Alléluia. Si vous bénissez la personne que Dieu a choisie pendant ces quatre jours, qui va nous parler pendant ces quatre jours, je vous dis, votre vie changera. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais d'abord remercier l'homme de Dieu, le docteur Philippe Karambiri, qui nous a donné, parce que c'est lui qui est le visionnaire et en même temps le mentor et en même temps le mari de l'oratrice qui nous a envoyé. Et si il n'avait pas voulu, elle n'allait pas être là. Voilà pourquoi j'aimerais vraiment lui témoigner toute ma reconnaissance pour cette confiance. Il ne nous a jamais connus avant.
Il n'a jamais connu notre ministère, mais il nous a fait confiance de nous laisser sa femme, son pasteur de son église, qu'elle vienne passer 5 jours avec nous. J'aimerais vraiment que nous puissions donner une offrande d'acclamation pour ce monsieur, pour ce patriarche, pour ce papa et cet homme de Dieu, mais un homme de vision. Ça, ce n'est pas ovationner pour un grand homme, pour un grand serviteur, pour un parrain, et pour quelqu'un que Dieu a élevé, pour un patriarche. Ça, ce n'est pas ovationner un patriarche. J'aimerais qu'on ovationne le patriarche, le papa Karambiri, qui nous a laissé, qui nous a bénis, parce que si maman est là, nous avons la bénédiction même de papa. Il est avec nous en esprit, il nous suit là où il est, au Burkina, et il intercède aussi pour cette convention. Donnons une véritable offrande, bien-aimée. Poussons même des cris de triomphe et des cris de joie. Merci beaucoup et merci beaucoup à Dr Karambiri, s'il est tenté de nous suivre en direct, que j'appelle papa parce que je parlais avec cet homme une fois. Vraiment, je trouvais que j'étais près d'un papa. Je vous dis la vérité. Il a des paroles qui apaisent tout de suite, qui rassurent tout de suite, qui met en confiance tout de suite. Alléluia. Je comprends pourquoi est-ce que toutes les personnes qui sont passées à côté de lui, ils ont été bien formées. Et ce sont des serviteurs dignes de ces noms-là. Alléluia. Même au téléphone, on n'a pas parlé pendant une demi-heure. Mais je vous dis qu'il vous rassure, il vous situe dans les ministères et puis il vous met en confiance. Et vous pouvez aller. Et si vous allez, si vous êtes attentif, vous devenez un serviteur, un disciple accompli. Que Dieu bénisse le ministère de ce patriarche. Moi, je l'ai toujours appelé patriarche. Je l'ai toujours adopté sans qu'il me connaisse. Mais je l'ai toujours appelé patriarche pour la francophonie. Alléluia. Que Dieu bénisse son ministère. Et nous bénissons aussi le ministère de maman Hortense, qui est son épouse, mais qui fait un très grand ministère. Elle-même, elle aura le temps de nous présenter son ministère, de nous présenter aussi l'équipe qui l'a accompagnée. Mais je vous dis, c'est une femme aussi dynamique, mais une femme qui vous communique aussi les choses divines. Alléluia. Elle vous le communique, vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps. Voilà pourquoi je demande vraiment d'être attentive. Soyez attentifs, je vous dis, vous serez impactés. Votre vie va changer, votre ministère va changer, votre témoignage va changer. Je suis convaincu. Voilà pourquoi, sans plus tarder, nous allons recevoir la servante de l'Éternel, celle que Dieu a choisie pour nous pendant ces 4 jours. Et tandis que nous allons l'appeler, je demanderai à l'église de se lever et je demanderai à l'église d'acclamer, je demanderai à l'église de pousser des cris tandis que la servante de Dieu va avancer. Nous appelons maman Hortense. Pas beaucoup. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et prions. Excellent Père de grâce, Dieu en qui il n'y a point d'ombre de variation, nous nous tenons là ce soir pour encore communier avec toi. Tu es en nous, tu es avec nous. Et Seigneur, ce soir, nous savons que tu as une parole pour chacun d'entre nous. Tu as une parole pour cette saison pour les femmes dans cette assemblée. Merci, Saint-Esprit, de prendre le contrôle parfait de tout ce que nous allons faire. D'aujourd'hui jusqu'à la fin de cette convention, Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, prends le contrôle. Prends le contrôle de tout ce qui sera dit. Prends le contrôle de tout ce qui sera fait. Que Jésus-Christ seul soit glorifié. Nous nous effaçons, Seigneur Saint-Esprit. Nous nous effaçons que tu sois vu, que tu sois entendu.
Et merci Saint-Esprit de contrôler et de diriger toutes choses. Inspire toutes choses. Et maintenant, Saint-Esprit, à toi et à Jésus-Christ, la gloire. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. J'ai dit bien d'acclamer le Seigneur. Je ne dis pas de m'acclamer, mais je dis d'acclamer le Seigneur. S'il te fait du bien, s'il est celui qui a permis que tu sois là ce soir, je crois que tu peux l'acclamer plus fort. Est-ce qu'on peut l'acclamer avec des cris de joie ce soir? Est-ce qu'on peut l'acclamer avec des cris de joie ce soir? Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que tu es content d'être là? Est-ce que tu es vraiment content d'être là? On va chanter juste un petit cantique. Hein? C'est le jour que l'Éternel a fait pour nous. Qu'il soit pour nous un sujet de joie. Alléluia. Et quand tu vas chanter, tu salues une personne à côté de toi ou derrière toi et tu bénis cette personne parce que le Seigneur a permis que nous soyons là aujourd'hui. Ce n'est pas en vain. Il ne permet rien sans un but. Et si tu es là ce soir, c'est que le but du Seigneur va s'accomplir dans ta vie. Voici le jour que l'Éternel a fait, que le Seigneur a fait, qu'il soit. Est-ce qu'on connaît le cantique? On ne connaît pas le cantique? Mais il est très simple, on peut le chanter. Voici le jour que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous. Qu'il soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. Voici le jour que le Seigneur a fait. Qu'il soit pour nous un sujet de joie. Voici le jour que le Seigneur a fait. Est-ce qu'on peut reprendre le cantique? Essayons de le chanter. On le chante et on salue quelqu'un. Voici le jour que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait. Qu'il soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Voici le jour que le Seigneur a fait. Voici le jour que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait. Qu'il soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Voici le jour que le Seigneur a fait. Acclamons le Seigneur. Amen, 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 amen. Nous allons nous asseoir dans la présence de Dieu. Je voudrais avant toute chose rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour la tenue de cette convention, cette quatrième convention des femmes en mission pour Christ. Et je voudrais tout simplement dire merci au Seigneur qui a ouvert la porte et qui a manifesté la volonté que nous soyons là ce soir. Et c'est pourquoi si je me tiens ici, je voudrais vraiment dire aussi merci au pasteur Pajot qui, comme il vient de le dire, qui est un fils spirituel de Papa Karambiri et je crois qu'ils se connaissent depuis longtemps. Et comme il l'a dit, ils ne se sont pas vraiment vus, mais il y a un lien spirituel entre eux. Et je rends grâce à Dieu pour tout ce que nous sommes en train d'apprendre à travers donc, cette relation. Et donc je rends grâce à Dieu aussi pour la vie de Maman Nathalie. Merci pour l'accueil et merci à Maman Bijou. Et je disais, le nom Bijou, il est prophétique. Ça veut dire que c'est un bijou entre les mains du Seigneur. Amen. Et donc, je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour vous tous qui êtes là ce soir. Que le Seigneur, dans sa grâce, vous bénisse et qu'il vous donne d'expérimenter sa présence comme jamais auparavant.
remercie. Il y a une équipe qui m'a accompagné ce soir. Et il y a le pasteur Nina Mabouadi qui est venu de Bordeaux. Est-ce que tu peux te tenir debout? Amen, amen. Et donc, elle est venue accompagner du jeune couple Lanois. Est-ce que vous pouvez te tenir debout? Et merci. Donc, il y a l'évangéliste Pauline Chevalier. Elle est évangéliste consacrée. Et en même temps, elle est chef d'entreprise. Donc, elle est venue du Burkina avec moi pour accompagner cette mission. Et donc, il y a la servante de Dieu, Lucienne Libert, qui est venue donc de France. Elle est dans notre mission à Paris. Aussi, je voudrais vous apporter très humblement les salutations de Papa Karambiri. Comme le pasteur Pajot vient de le dire, il cesse de prier pour cette convention. Et donc, c'est lui qui m'a autorisé à être là ce soir. Et donc, je crois que nous sommes là sous aussi sa bénédiction. Et je suis là sous l'onction du pasteur Pajot, que je respecte. Et j'ai un profond respect pour lui. Aujourd'hui, je disais au papa Karambiri que c'est vrai que lui, il ne l'avait pas encore vu. J'ai dit, mais nous avons eu le contact avec lui depuis hier. Vous savez, certaines choses, c'est en esprit qu'on voit. Et c'est en esprit qu'on connaît certaines choses. Ce n'est pas par la chair. Donc, il y a des contacts. Quand tu as certains contacts, c'est l'esprit de Dieu qui te parle. Ce n'est pas la chair. Ce n'est pas ce que tu vois. Mais l'esprit de Dieu te parle de la personne. Et c'est ainsi donc que j'ai dit à papa Karambiri que j'ai rencontré véritablement un de tes fils. Et j'ai dit à papa Karambiri que c'était un homme qui était doux d'esprit, un homme qui était bon, et c'est ce que j'ai ressenti, et vraiment un homme de Dieu que je peux dire sans me tromper que c'est un homme de Dieu, et je confirme cela. Donc vraiment c'est le témoignage que j'ai rendu de lui. C'est vrai que personnellement je ne l'avais pas encore vu, mais ce que j'ai lu dans l'esprit, ça m'a émerveillé. Et je crois que c'est une grâce de Dieu pour cette église d'avoir un homme de Dieu de sa carrure. Et je suis en train de dire qu'il ne fait que commencer son ministère. Parce que de plus grandes choses sont devant. Et ce que le Seigneur m'a montré, c'est que de plus merveilleuses choses sont devant. Et donc la grâce de Dieu va continuer de se manifester pour sa vie. Et je bénis le Seigneur pour l'honneur, la reconnaissance, pour le fait qu'il a, malgré tout, il a dit il faut venir parce que les femmes veulent communier avec vous. Donc je rends grâce à Dieu pour ce temps que je passe ici. Et comme je le dis et je le redis, je travaille ici sous son onction. Et que la grâce de Dieu repose profondément sur toute cette assemblée. Et que d'ici la fin de cette convention, que chaque femme dise qu'il y a eu une valeur ajoutée dans ma vie. Amen. Que une certaine portion est descendue dans ma vie parce que nous avons eu cette convention qui est une convocation solennelle du Seigneur pour les femmes, et le Seigneur ne convoque jamais s'il n'a pas une bénédiction pour ta vie et pour ma vie. Donc s'il nous a convoqués ici, c'est que quelque chose va arriver dans ta vie. Est-ce que tu crois ton alléluia? Quand j'entends ton alléluia, je veux avoir la certitude que vraiment c'est un alléluia de conviction, un alléluia qui dit oui et amen, un alléluia qui est en train d'arracher déjà les bénédictions du siège, du trône, et un alléluia qui appelle la bénédiction. Et quand tu dis amen, 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 tu dis qu'il en soit ainsi. Et tout sera ainsi comme le Seigneur a prévu et qu'il a décidé. Ça sera ainsi pour la vie de chacun et de chacune. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Amen. Je voudrais apprécier toutes les femmes en mission pour Christ. Vous savez, quand je vois ce nom-là, ça me donne de la joie au cœur. Parce que ce n'est pas tout le temps qu'on voit des femmes qui disent « Nous sommes en mission pour Christ ». Et quand les femmes disent « Nous sommes en mission pour Christ », c'est assez lourd. Il faut que nous comprenions
que être en mission pour Christ, ça veut dire que c'est une consécration. Ça veut dire que c'est un engagement. Ça veut dire que nous voulons persévérer, quelles que soient les situations, pour que Christ seul soit vu dans notre vie. Et je rends grâce à Dieu pour vraiment cette les femmes en mission pour Christ. Et peut-être avant de continuer, je voudrais saluer tous les hommes et toutes les femmes de Dieu qui sont là. Je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour votre honneur. Que Dieu vous bénisse pour le temps que vous prenez pour venir nous écouter. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Vous nous avez honorés, vous êtes venus, que le Seigneur, que le ciel vous honore, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous reconnaisse parce que vous avez fait un geste de reconnaissance et une semence toujours quand nous marquons de notre présence une cérémonie. Que Dieu vous bénisse. Donc, j'apprécie les femmes en mission pour Christ. Et je dis, nous sommes ensemble pour 4 jours. Est-ce que tu es d'accord? Nous sommes ensemble pour 4 jours. Voilà. Amen. En tout cas, moi, je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que je sais que quelque chose va se passer. Je ne peux pas tout savoir dans les petits détails, mais je sais que quelque chose va se passer. Amen. Quelque chose va se passer. Amen. Et ce soir, pour l'introduction, je voudrais introduire par un premier message que j'intitule « Femme, rentre dans la révélation de ton identité en Christ. » Rentre dans la révélation de ton identité en Christ. J'ai donné ce titre à ce tout premier message d'introduction parce que nous devons comprendre d'où nous sommes partis et où nous sommes aujourd'hui. J'ai beaucoup apprécié l'introduction que le pasteur Pajot vient de faire parce que je dirais même qu'il a... C'était tout un message qu'il a donné. Pour qui sait lire entre les lignes quand un homme de Dieu parle, on voit tout son cœur se répandre, on voit tout son cœur s'exposer à travers donc ce qu'il dit. Et le peu que nous venons d'entendre me montre que c'est un homme déterminé à amener les femmes dans leur rôle et dans ce qu'elles doivent faire pour que le royaume de Dieu soit marqué par l'action des femmes. Et c'est une conviction que nous devons apprécier. Parce que ce n'est pas toujours que nous voyons des hommes de Dieu qui croient en la femme. Si ici nous voyons un homme de Dieu qui se tient là pour dire « J'ai reçu cette vision de Dieu », ça veut dire qu'il a vraiment la révélation. Il a la révélation et c'est le Seigneur lui-même qui lui a parlé. Parce que si nous regardons dans la parole de Dieu, Jésus-Christ, Jésus a été le premier révolutionnaire pour l'émancipation de la femme. Jésus a été le premier qui a exposé le rôle critique de la femme. C'est Jésus a été le premier qui a cru en la femme. Jésus a été le premier à faire en sorte qu'on sache que ce sont des femmes qui peuvent soutenir des ministères de façon consistante et de façon discrète. Parce qu'autour de Jésus, il y avait des femmes qui discrètement soutenaient son ministère. Et des femmes de valeur qui étaient discrètes, qui étaient cachées. Mais c'était des femmes qui accomplissaient cette œuvre de soutien pour le ministère de Jésus. Et donc, par moments, le coin du voile est levé pour qu'on sache que derrière, qu'autour de Jésus, il y avait des femmes efficaces, des femmes d'action, des femmes qui travaillaient dans le silence, des femmes qui soutenaient par leur bien le ministère de Jésus. Et donc, quand nous voyons cela, nous pouvons nous convaincre et savoir que Jésus a été le premier qui a exposé l'importance du rôle de la femme dans le ministère. Et donc, si nous voyons cela, et qu'aujourd'hui, au milieu de tout ce qui se fait, parce que quand je dis qu'il faut apprécier ce qui se passe ici, c'est parce que je sais que dans plusieurs ministères, je suis passé dans plusieurs endroits où les femmes n'ont pas de voix. Je suis passé dans plusieurs endroits où on interdit littéralement aux femmes de se faire entendre. Et des endroits où on tue même, comme par un silencieux, le travail, le ministère des femmes et le travail des femmes. Et j'ai vu des endroits, même en Europe ici, des assemblées qui vraiment ont dit non, les femmes ne peuvent pas se tenir même à la chaire. Les femmes ne peuvent même pas tenir un micro. J'ai vu ça en Europe ici. J'ai vu des assemblées où on a dit les femmes
Tout ce que vous pouvez faire, c'est de nettoyer l'église, de balayer quand on a une rencontre, ou d'être à la cuisine pour assurer le repas pour ceux qui viendront. Mais vous n'avez pas droit de vous tenir à la chair ou de dire quoi que ce soit. J'ai vu ces assemblées-là, et j'ai vu aussi d'autres assemblées où des hommes de Dieu font semblant. Ils disent, oui, nous croyons à la femme. Oui, nous croyons que la femme peut faire quelque chose. Mais au même moment, ils mettent le pied sur tout ce que la femme peut faire. Donc, en ce moment-là, il y a comme une double face qu'on montre. Une double face. On dit tout haut, oui, la femme peut faire quelque chose. Mais au même moment, on écrase tout ce que la femme peut initier ou bien peut entreprendre. Et c'est pourquoi, en appréciant tout ce que le pasteur Pajot fait ici, je voudrais aussi reconnaître du haut de cette chair mon cher époux, père spirituel, mentor, coach, prophète et tout, le docteur Mamadou Philippe Karambiri, celui-là qui a reconnu très tôt le ministère de la femme, très tôt. Et si je peux me tenir ici, c'est parce qu'il a été l'instrument que Dieu a utilisé pour nous donner des ailes, pour que nous puissions aller partout, partout où on peut demander notre appui, que nous puissions aller et communier avec des femmes et démontrer que la femme a quelque chose en main, que Dieu n'a pas créé la femme pour rien. Donc, et nous voyons dans notre assemblée comment les femmes s'épanouissent aussi dans le ministère. Je vois, quand je m'assois et je vois tout ce qui se passe, je sais que vous avez un libre terrain. Et c'est pourquoi il faut savoir apprécier. Quand Dieu fait cela, il faut savoir apprécier cela à sa juste valeur. Et apprécier ce que Dieu fait à travers donc cet homme. Et apprécier la place qu'on vous donne dans cette assemblée. Apprécier aussi la liberté qu'on vous donne d'agir. Et si vous n'appréciez pas cela, un jour, si vous êtes face à une situation dans une autre assemblée, vous allez en ce moment-là comprendre que Dieu vous a fait grâce. Parce que c'est pas partout, ce n'est pas partout qu'on donne le libre cours aux femmes d'agir, de chanter et de danser et d'avoir l'occasion de servir le Seigneur comme il se doit. Et il a dit, le pasteur Pajot a dit quelque chose. Il faut, ça dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire que il y a la femme doit être co-mandataire avec Dieu, avec l'homme. Elle est co-mandataire avec l'homme. Et en ce moment, elle doit aussi agir en partenariat avec l'homme pour que ce que Dieu veut faire avec le couple, qu'il le fasse. Parce que ce qui manque chez l'homme, on le trouve chez la femme. Et c'est pourquoi en ce moment-là, il faut vraiment ouvrir les yeux, apprécier ce que Dieu fait et vraiment nous rendons grâce à Dieu. Nous voyons aussi au niveau de notre ministère à Ouagadougou, le tabernacle Bethel Israël, qui est l'église des nations. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 7000 membres et je suis le pasteur principal de cette assemblée locale. Et donc, dans cette assemblée, nous voyons des femmes qui s'épanouissent dans le ministère. Nous avons parlé de l'évangéliste Pauline Chevalier. Elle est une des évangélistes consacrées dans le ministère. Et il y en a beaucoup qui sont consacrées femmes évangélistes qui organisent des grandes campagnes d'évangélisation et souvent, elles le font par leurs propres moyens. Et donc chaque évangéliste est libre de faire un paquet de son matériel, est libre de prendre tout ce qu'elle doit prendre, mais d'avoir un programme et de justifier des résultats en fin d'année. Elle a fait tant de campagnes d'évangélisation dans telle région et telle région. Voici le nombre de personnes qui se sont données à Christ. Voici le nombre de personnes qui ont rejoint les églises locales. Parce que vous voyez, quand les gens viennent à Christ, on peut avoir 500 personnes qui viennent à Christ, mais peut-être sur les 500 personnes, c'est 60 personnes que vous allez retrouver dans les assemblées. Et donc, elles doivent faire le suivi. Et donc, comme elles sont des évangélistes, elles doivent travailler et faire un suivi pour prouver qu'elles sont en train de travailler tout comme les hommes. Donc, c'est dire donc que quand nous voyons cela, nous voyons comment les femmes sont et montent dans l'intercession 24 heures sur 24. Elles sont organisées pour intercéder. Elles sont organisées pour écouter le Saint-Esprit, pour savoir dans quelle direction aller dans l'intercession. Nous pouvons dire simplement merci au Seigneur pour cela. Nous voyons des femmes dans la libéralité. Nous voyons des femmes à tous les niveaux. Nous voyons des femmes qui agissent discrètement, mais de façon réelle, pour que l'Église puisse se porter bien. Quand nous voyons cela, nous disons oui, c'est vrai. Elles sont en train de le faire, mais c'est parce qu'aussi on leur a donné l'autorisation et la place pour le faire.
Mais tout cela tient à une chose. Pour qu'elles puissent être des femmes accomplies, qui connaissent, qui savent ce qu'elles doivent faire et qui accomplissent leur ministère comme il se doit, il faut qu'elles connaissent leur identité. Si tu ne connais pas ton identité, tu ne peux pas agir avec confiance. Si tu ne connais pas ton identité, tu ne peux même pas avoir confiance en toi. Si tu ne connais pas ton identité, tu vas te sous-estimer devant les situations. Tu vas te demander, est-ce que moi, en tant que femme, je peux faire ci ou je peux faire ça? Tu vas pour te poser mille et une questions. Donc, il faut connaître ton identité. Vous savez, j'ai eu un parcours un parcours où j'ai travaillé pendant 21 ans comme cadre supérieur du ministère de l'action sociale et de la famille du Burkina Faso. Et là, par la seule grâce de Dieu, j'étais tout le temps à la tête des grandes directions. Et donc, je crois que Dieu était déjà en train de me former. Et à un moment donné, le Seigneur a permis que je parte dans les institutions internationales. Et par la seule grâce de Dieu, partout où je suis passé, j'étais toujours à la tête donc des différents services. Et donc, j'ai vécu des phénomènes. C'est que les femmes, souvent, n'avaient pas confiance en elles-mêmes. Et donc, devant certaines postes de responsabilité où j'appelais des femmes, parce que je croyais, je me disais qu'elles sont capables de tenir ces positions, quand je les appelais pour leur dire que bon, et après avoir prié, après avoir regardé, vous êtes identifiés pour occuper ce poste de responsabilité, quand je le disais, certaines me regardaient, elles baissaient la tête, elles me disaient, je ne suis pas sûr que je serai capable. Vous voyez? Et de plus en plus, ça devenait frustrant pour moi. Et il y a eu des moments où j'ai crié à Dieu. Surtout, la dernière organisation internationale où j'étais, qui était World Vision International, une grosse organisation chrétienne, organisation non gouvernementale chrétienne. Et là, quand je disais aux sœurs, ah bon, j'ai prié et vraiment Dieu m'a convaincu que là, toi, tu dois être là pour telle ou telle position. Il y en a qui disaient, non, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. J'ai dit, mais notre capacité est en Christ. Mais elle disait, non, je ne peux pas. Donc, ça veut dire que si tu ne connais pas ton identité, tu vas, c'est-à-dire devant ce que Dieu te demande, les bonnes œuvres que Dieu a prédestinées, en disant qu'il n'y a que toi qui dois accomplir ces bonnes œuvres-là, même devant ces bonnes œuvres, même quand le Saint-Esprit va dire, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi, tu vas continuer à dire, je ne peux pas, je n'ai pas la capacité, je ne sais pas si je pourrais. Et plusieurs femmes disent cela souvent. Et d'autres refusent des positions où elles pouvaient simplement accomplir certaines choses que Dieu voulait qu'elles seules elles accomplissent. Mais elles s'arrêtaient souvent et disent non, je ne peux pas. Et quand elles disent elles ne peuvent pas, on est obligé de les changer et de mettre un homme. Et souvent, moins qualifiés, mais qui vont s'arrêter, qui disent oui, je pourrais. Mais pourquoi cela? Parce qu'elles ne connaissent pas leur identité. Et souvent, je leur disais, mais pourquoi moi, je suis à la tête? Ils disaient, ah non, vous êtes un peu spécial. J'ai dit, non, l'Esprit de Dieu, le même Esprit de Dieu qui est en moi, c'est le même Esprit de Dieu qui est en vous. Et il n'y a pas de spécialité, on n'est pas spécial ici. La parole de Dieu dit, Paul l'a dit aux Corinthiens, notre capacité est en Christ. Et il faut savoir, il faut rester, il faut connecter, rester, il faut s'asseoir sur son identité et vivre son identité, manifester son identité et montrer à tous les niveaux que tu sais de quoi tu parles. Et aujourd'hui, dans tous les cas, femmes, vous êtes en mission et nous sommes en mission ensemble. Et aujourd'hui, nous devons comprendre une chose. Aujourd'hui, nous sommes en train d'avancer vers la fin des temps. C'est-à-dire qu'on le veuille ou non, les signes sont là pour dire que nous sommes en train d'avancer vers la fin des temps. Est-ce qu'on est d'accord avec moi ce soir? Et la mauvaise nouvelle, c'est que ça ne va pas régresser. Ces signes-là ne vont pas régresser. Ces signes vont s'amplifier. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Ces signes vont s'amplifier. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, quand nous prenons la parole de Dieu, nous voyons tout. La parole de Dieu a déjà parlé de tout. Tout ce que nous voyons aujourd'hui et qui nous choque, des choses qui se passent et qui nous attristent, des choses qui passent et qui nous meurtrissent, quand nous regardons, quand nous allons dans la parole de Dieu, nous regardons, nous voyons que ah, le Seigneur avait déjà parlé de ça. Et quand nous regardons, Dieu nous dit, quand nous allons voir ces signes, c'est que nous sommes en train de progresser, d'aller vers la fin des temps. Donc, si nous avons ces signes, nous devons savoir
que ce tournant qui est amorcé, nous n'allons pas reculer. Ça, c'est la nouvelle que nous devons nous donner. Et nous devons être convaincus d'une chose, et ces choses-là ne doivent plus nous surprendre. Nous devons rester dans cette réalité, être focalisés sur Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Mais regarder pour dire, ces choses-là ne vont pas régresser, ces signes-là vont s'amplifier. Mais au même moment, la bonne nouvelle, c'est que l'Église de Christ est en train d'avancer pour vivre un des temps les plus glorieux de son existence. Et ça, c'est aussi une prophétie. C'est aussi pour dire qu'au moment où nous sommes en train de vivre des signes de la fin des temps, au même moment, le Seigneur est en train de s'apprêter pour que son Église, son corps sur la terre, soit en train de manifester les temps les plus glorieux de sa présence ici. Donc, si c'est un... Donc, vous voyez, il y a comme un parallèle. Les signes sont en train de s'amplifier, de se faire, de montrer que nous sommes en train d'aller vers la fin des temps, mais aussi l'Église va rentrer dans cette phase, dans ce temps le plus glorieux. C'est-à-dire que cela ne dépend pas de tout ce qui, de certaines choses qui se passent même dans certaines assemblées ou dans certaines parties du corps de Christ. Non, le Seigneur, quand il décide et quand il fait sentir les choses, nous devons comprendre que nous devons nous apprêter. Le temps arrive où l'Église doit forcément être prête. Le temps arrive où son corps qui est sur cette terre doit s'apprêter. Et l'Église va rentrer dans ce temps, dans cette phase la plus glorieuse. Mais tout cela doit se passer par des conditions. Ce qui est sûr, nous allons y passer. Mais il y a des conditions. Et c'est pourquoi, quand il y a une convention de ce genre, et avec un titre de ce genre, rétablir l'identité et les rôles de la femme dans l'Église, la famille et la société, nous devons nous éveiller et puis dire, il y a une révélation ici. Il y a quelque chose que le pasteur a reconnu. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit lui a communiqué. Et je peux vous dire, ce que j'ai senti en esprit, quand j'étais face à cet homme, c'est que il est profond. Et s'il est profond, et s'il prend le temps avec le Seigneur, c'est là où le Seigneur va lui communiquer des révélations. Et c'est pourquoi quand nous voyons nous pouvons regarder ce titre comme un titre. Oui, c'est un titre de la convention. Mais quelle révélation ce titre contient? Il y a une révélation dans ce titre-là. Il y a une révélation. Parce que nous allons passer par ce temps-là où forcément il faudra parler de cela. Et donc, pour que l'Église puisse vivre ce temps le plus glorieux, ce temps le plus... qu'il est en train de préparer, il y a des conditions. Une des conditions, c'est que les fondements de l'Église doivent être fortifiés. Aujourd'hui, quand on regarde le corps de Christ, est-ce que la parole de Dieu est prêchée avec intégrité? Est-ce que le vrai évangile est prêché avec intégrité? Posons-nous la question. Quand nous regardons à tout ce qui se passe dans les assemblées, quand nous regardons, souvent nous sommes choqués de voir ce qui se passe. Il y a des églises aujourd'hui qui parlent tout, sauf de l'évangile, du vrai évangile, qui parle de tout, sauf du vrai évangile. Et souvent, quand nous regardons, souvent à travers des chaînes, et nous sommes au courant, et par la littérature, de certaines choses qui se passent dans certaines parties du monde, on est en droit de nous poser la question de savoir, est-ce que vraiment il y a la crainte de Dieu encore dans les cœurs? Est-ce que le vrai évangile est prêché? Celui que Jésus-Christ nous a laissé? Est-ce que vraiment le vrai évangile est prêché? Donc nous devons revenir dans nos fondements. Nous devons revenir. Revenir par quoi? Revenir par la parole de Dieu. La parole dans son intégrité. La parole pure et saine. La parole dite dans l'évangile et de façon réelle et de façon ciblée. Nous devons parler, dire ce que Dieu a dit et non nos pensées. Et aussi, les fondements de l'Église ne peuvent pas être fortifiés, être restaurés si il n'y a pas une vie par le ministère de l'Esprit. S'il y a la parole de Dieu, et surtout prêchée avec intégrité, il faut que le Saint-Esprit prenne tout cela pour faire ce que Dieu a prévu de faire à un moment. Donc, en ce moment-là, nous devons faire attention. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Jésus a dit dans Jean 5, 19, « Je ne fais que ce que je vois faire au Père. » Donc, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire sur la ville de Liège en ce moment précis?
qu'est-ce que Dieu, quelle est la parole de Dieu concernant cette ville? Est-ce que nous avons discerné ce que Dieu dit? Est-ce que nous savons ce que Dieu dit par rapport à cette ville? Nous devons chacun, chacune à notre place dire, oui, je ne fais que ce que le Saint-Esprit me dit de faire. Et c'est pourquoi, en nous tenant là pour cette convention, nous ne devons pas faire les choses par nous-mêmes. Nous devons dire au Saint-Esprit, prends le contrôle et agis, prends le contrôle et parle, parce que tu as un projet de société pour cette ville. Tu as quelque chose que tu veux faire dans cette ville, parce que l'église du réveil n'est pas ici à Liège par un fait de hasard. Non. Si cette église est implantée ici, c'est parce que Dieu a une mission pour cette assemblée. C'est parce qu'il y a un but de Dieu qui doit être atteint par cette église. Et l'église, il est bien dit, le réveil. C'est prophétique. Ça veut dire que tout doit concourir au réveil. Et c'est pourquoi je dirais que notre responsabilité est grande ici. Nous devons travailler à ce qu'il y ait un véritable réveil, basé sur le vrai évangile, basé sur le ministère de l'Esprit. Nous devons travailler pour que le nom de cette assemblée, qui est un nom prophétique, puisse agir dans toutes les sphères de cette ville. Et c'est pourquoi la tâche est importante, mais la tâche aussi est sérieuse. Et chacun doit s'examiner. Est-ce que je suis en train de marcher selon ce que Dieu veut? Est-ce que je suis en train d'agir en concordance avec tout ce qui doit se faire pour que ce nom prophétique qui est donné à cette assemblée, que ce nom puisse rentrer dans son accomplissement? Ou est-ce que je suis en train de faire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu nous a appelé en tant que partie de son corps dans cette ville à faire? Chacun doit, et on doit souvent revenir à nous-mêmes pour savoir qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Qu'est-ce que Dieu dit? Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Et une autre condition, c'est que les églises, pour que l'église de Christ puisse rentrer et vivre ce temps glorieux, il faut que les querelles de dénomination puissent cesser. Les querelles de dénomination, les dénominations et les mouvements qui se réclament de Christ, qui s'entre-déchirent, ça doit s'arrêter. Christ n'est pas déchiré. Non. Le corps de Christ est un et il n'est pas déchiré. Et donc tout ce qui peut se faire de part et d'autre qui peut mettre mal à l'aise le corps de Christ, ça doit s'arrêter. Et ça, nous devons être clairs là-dessus. Dans Matthieu 16, je crois, verset 19, Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'église. Ça veut dire que de l'extérieur, on ne pourra rien contre le corps de Christ. Mais de l'intérieur, est-ce que nous travaillons pour que le corps de Christ puisse être unifié, pour être fort, puisse être fort? Parce que tant qu'il y aura des déchirements entre les dénominations et les mouvements, l'église, nous affaiblissons l'église de Christ à l'intérieur. C'est comme une coque qui est là. De l'extérieur, rien ne peut briser cette coque, mais à l'intérieur, tout est pourri. Et ça nous rappelle ce fruit sauvage là qui est dur. Quand on le voit, il est toujours beau. Il est toujours beau, mais il faut regarder toujours à l'intérieur, est-ce qu'il est beau à l'intérieur? Et c'est en le cassant qu'on regarde, est-ce qu'il n'y a pas des insectes qui sont rentrés dans ce fruit-là? Et quand les insectes sont rentrés, ils ont tout le temps de miner l'intérieur. Ils ont tout le temps de détruire l'intérieur. Et souvent, on a la coque qui est jolie, mais au même moment, quand on regarde, l'intérieur est pourri. Et c'est quand on casse qu'on voit qu'en réalité, il était beau, mais en réalité, il n'est pas mangeable. Parce que c'est pourri à l'intérieur. Qu'est-ce que le Seigneur du haut de son trône dit aujourd'hui de son église sur cette terre? Qu'est-ce qu'il dit de ces églises qui constituent son corps? Est-ce qu'il n'y a pas de déchirement? Est-ce qu'il n'y a pas de querelles entre les églises et qui fragilisent les choses à l'intérieur? Ça, c'est une question que chacun de nous doit se poser. Et quand nous nous posons cette question, demandons-nous toujours, qu'est-ce que moi, je fais pour que ce qui se passe ne se passe pas? En tant qu'assemblée, qu'est-ce que nous faisons pour que ce qui se passe ne se fasse pas? Parce que ce temps glorieux qui vient par le Seigneur pour son église, il ne s'établira pas tant que l'église n'est pas forte. Et quand l'autre condition, c'est, nous venons de le dire, à l'intérieur, il y a, qu'est-ce qui se passe?
Mais au même moment, quand nous descendons dans les églises locales, parce que les églises, une église assemblée locale, qu'est-ce qui se passe dans l'assemblée? Parce que tout part de là aussi. Quand l'assemblée, une assemblée locale est forte, une assemblée locale est solide et remplie d'amour, elle peut être un instrument qui va travailler à la connexion avec les autres. Mais quand dans une assemblée locale, il y a aussi des querelles de leadership, il y a des situations qui mettent mal à l'aise l'église locale. Et quand il y a des situations qui empêchent l'église locale de s'épanouir, ça veut dire que là, nous devons nous arrêter et voir qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que nous sommes vraiment en train d'agir selon ce que le Seigneur veut? Parce que nous sommes son corps. Son corps n'est pas divisé. Et nous sommes son. Et chacun doit se considérer comme membre du corps de Christ, valoriser l'autre, reconnaître l'autre, travailler de façon à ce que, main dans la main, nous puissions refléter le corps de Christ. Mais est-ce que c'est ce qui se passe toujours? Quand je dis ça, je sais de quoi je parle. Je suis pasteur d'une assemblée de plus de 7000 membres. Je sais ce qui se passe. Et donc, souvent, qu'est-ce qui se passe? Posons-nous la question. Est-ce qu'on travaille à fortifier notre assemblée locale? Est-ce que main dans la main, nous nous donnons la main pour dire, nous sommes engagés pour que notre assemblée soit une assemblée de référence? Pas de référence parce que l'extérieur est bien, mais de référence parce que nous sommes une assemblée d'amour. De référence parce que nous sommes une assemblée qui marchons selon la parole et par le ministère du Saint-Esprit. Est-ce qu'on le fait? Ça, c'est une condition. Une des conditions. Mais l'autre condition, qui est une condition sérieuse, une condition, et je dirais, incontournable, une condition qui peut permettre à l'Église de Christ de faire un grand bond aujourd'hui et de montrer au monde que quelque chose se passe dans ce qu'on appelle le corps de Christ, c'est la reconnaissance, le rétablissement de l'identité et des rôles de la femme dans la société, dans l'église, la société et aussi dans la famille. Voici un domaine qui est souvent problématique. Je l'ai dit au début. C'est un domaine qui est problématique. Et donc, rétablir l'identité et le rôle de la femme dans l'église, dans la société, dans la famille, cela, c'est d'une importance capitale. Et moi, je crois que toutes les églises aujourd'hui doivent embrasser ce mandat-là pour une véritable libération de la femme. Pourquoi je dis cela? Quand je dis cela, parce que vous imaginez, dans la chambre haute, il y avait combien de femmes? Il y avait beaucoup plus de femmes. Quand acte 1, 8 devait s'accomplir, il y avait beaucoup plus de femmes que des hommes. Et quand nous regardons entre les lits, souvent, quand on s'amuse à comptabiliser pour voir combien d'hommes il y avait, parce que les noms sont cités. Un jour, avec Papa Karambino, on s'est assis, on méditait, et puis on a dit, mais est-ce que tous les hommes qui étaient là n'étaient pas, ne sont pas ceux-là qui sont cités? Ou bien est-ce qu'il y en avait plus? Dans tous les cas, on a cité bel et bien ceux qui étaient là. Bon, donc quand nous regardons cela, nous sommes même en mesure de dire qu'il y avait peut-être près d'une centaine de femmes. Elles étaient dans tous les cas beaucoup plus nombreuses que les hommes. Et depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, dans toutes les assemblées du monde, il y aura toujours plus de femmes que d'hommes. Il y en a toujours. Il y en a toujours, partout. En tout cas, partout où je suis passé, j'ai vu toujours plus de femmes que d'hommes. Mais maintenant, s'il y a 2/3 de femmes et 1/3 d'hommes, comme je l'ai souvent vu dans certaines assemblées, imaginez que ces 2/3 de femmes restent assises parce qu'on n'a pas reconnu leur identité et leur rôle dans l'assemblée. L'église de Christ, c'est la seule armée où je vois qu'on dit aux 2/3 des membres de rester souvent silencieuses, sans parler et sans agir, et qu'un seul tiers va sur le terrain de bataille contre le camp ennemi avec 1/3 de membres, parce que justement c'est ce tiers-là
qui sont des hommes. Et il y a des assemblées qui fonctionnent ainsi. Donc, quand ça se passe ainsi, vous voyez, nous ne sommes plus dans les mêmes forces. Nous ne sommes plus dans les mêmes forces. Deux tiers doivent s'asseoir parce qu'on ne reconnaît pas leur identité. On ne reconnaît pas leur rôle. On ne reconnaît pas leur importance. Elles doivent rester et un tiers doit aller sur le terrain de bataille. Est-ce que vous me suivez bien? Je ne veux pas qu'on soit distrait parce que comme Maman Bijou l'a dit, la parole seule doit venir même nous libérer. Est-ce qu'on est d'accord avec ce que je dis? Donc quand je vois ce qui est dit, le thème que nous devons traiter, ça veut dire que nous sommes résolus. Résolus à donner la révélation qui éclaire et qui donne de l'intelligence aux simples. Résolus à faire en sorte que ces deux tiers de cette armée-là, et qui étaient peut-être assises ou ne connaissant pas bien leur identité ou leur rôle, ne sachant même pas jusqu'à quel point Dieu les voit, ces deux tiers-là doivent s'ouvrir, doivent avoir les yeux ouverts et doivent commencer à comprendre qu'il y a un mandat de Dieu pour leur vie. Doivent commencer à comprendre qu'il y a quelque chose qu'elles doivent faire et que peut-être qu'elles étaient en deçà de ce qu'elles étaient en train de faire. Et c'est pourquoi, pendant ce temps-là, nous allons rentrer dans la parole. La parole qui va venir débusquer certaines choses dans nos vies. La parole qui va venir nous dire réellement qu'est-ce que nous devons faire, parce que autant que nous sommes assises ici, chacune est une femme de destinée fructueuse et prophétique. Chacune doit accomplir et quelque chose pour le Seigneur. Et la femme est tellement importante aux yeux de Dieu que souvent les missions que le Seigneur nous donne, souvent quand on n'a pas idée, on passe à côté parce qu'on ne sait même pas jusqu'où le Seigneur veut qu'on agisse. Et c'est pourquoi je dirais, pendant ce temps-là, laissez la parole aller dans votre esprit, pas dans votre âme. Ne discutez pas avec la parole. Parce que vous voyez, le plus important pour Dieu n'est pas la richesse, la guérison et tout ce que on peut demander à Dieu. Le plus important pour le Seigneur, c'est que sa parole pénètre dans notre esprit. Et quand sa parole pénètre dans notre esprit, à partir de notre esprit régénéré, maintenant les bénédictions commencent à se manifester pour nous. Parce que vous voyez, Paul a dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 3, 21, que tout est en nous. Il n'y a rien qui ne soit en dehors de la bénédiction et de l'héritage de Christ pour notre vie. Tout est à nous. Tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas cette bénédiction-là qu'on peut dire qu'on est en train de rechercher en dehors de notre esprit régénéré qui est déjà un magasin de bénédiction. Et à partir de ce que nous recevons, quand nous savons manifester cette bénédiction-là, nous savons que nous sommes en train de vivre tout l'héritage que Christ nous a donné. Et en ce moment-là, faisons attention. Si nous parlons, ne soyons pas trop distraits. Il y a certaines choses que Dieu peut te dire qui peut t'éveiller sur certaines choses dans ta vie. Il y a des choses que Dieu va nous dire et qui vont nous faire dire que, donc ici là, et je marchais de cette façon, là je dois me réveiller pour voir comment je vais marcher et de façon à être agréable au Seigneur et de façon aussi à accomplir ce que Dieu veut que j'accomplisse. Parce qu'un jour, chacun se tiendra devant le Seigneur. Oui, devant notre livre des œuvres. Et tu ne diras pas, c'est mon mari qui m'a empêché. Non. Et encore là, le Seigneur te dira, en plus, je t'ai donné un pasteur qui t'a libéré. Ah oui, qui t'a dit, vas-y. Un jour, nous nous tiendrons devant le Seigneur. Et nous devrons répondre de ce que nous avons fait de notre vie. Et quand nous nous tiendrons devant le Seigneur, en ce moment-là, il n'y a pas à accuser qui que ce soit. Parce qu'en plus, Dieu nous tient par ce que nous avons entendu de sa parole. Et Dieu nous tient par sa parole qui est dans notre main, qui est la Bible. Dieu nous tient par ce que nous devions savoir et appliquer. Il nous tient par là. Et il faut que chacune se réveille pour dire non, à partir de maintenant, je ne veux pas être une femme en mission pour Christ de façade. Non, je vais être une femme de mission en Christ pour des œuvres que Dieu m'a prédestinées que je fasse.
pas que quelqu'un d'autre fasse, parce que chacune est unique en son genre. Chacune est spéciale. Chacune est une copie originale. Chacune a une mission unique. Chacune a des dons uniques. 1 Corinthiens 12 7 dit à chacun, à chacune, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En ce moment-là, ça veut dire que chacune d'entre nous a des dons, chacune d'entre nous doit manifester ce que le Seigneur demande de manifester, et chacune doit accomplir une mission unique. Unique, parce que nous-mêmes nous sommes uniques. Et nous devons faire en sorte que ce que Dieu veut qu'on fasse dans notre caractère unique, là, nous devons le faire. Nous n'avons jamais les mêmes touches. Vous savez, c'est facile, hein, souvent dans les assemblées. Dans les assemblées, souvent on entend dire, ah oui, dans tous les cas, si tu ne veux pas faire, tel autre va faire à ta place. C'est un mensonge. Non. Est-ce que c'est elle qui est désignée par le Seigneur? Non. Et puis elle n'a pas la même touche que toi. Et ce que tu dois faire dans une touche unique, tu dois le faire dans cette touche unique. Et ta touche ne peut pas être la touche de l'autre. Et donc, dans ce que toi tu dois faire, parce que Dieu t'a appelé à faire cela, tu dois faire cela. Si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera à ta place. Et en ce moment-là, tu manques une opportunité de bénédiction. Et tu manques une opportunité de marquer des points pour ton Seigneur. Tu es en mission et il y a une mission unique pour toi. Tu es en mission et le Seigneur a prévu quelque chose de particulier que tu dois accomplir. Et fais attention, parce que souvent, nous sommes en train de nous marcher entre les pieds. Nous marchons sur le terrain de l'autre, dans le couloir de l'autre. Faisons attention, sinon nous sommes en train, le couloir que Dieu a tracé pour toi, est-ce que tu marches dans ce couloir? Est-ce que tu fonctionnes dans ce couloir? Est-ce que tu fais exactement ce que Dieu dit de faire? Sinon, si tu es en train de marcher dans le, tu marches et tu rentres dans le couloir de l'autre, tu es en train de pécher et tu es en train de créer du désordre. Et ce désordre-là ne fait pas plaire au cœur de Dieu. Femme en mission pour Christ, chacune a un couloir dans lequel elle doit travailler. Et si on a des couloirs dans lesquels on doit travailler, on doit le faire avec efficacité. On doit le faire avec intégrité. On doit le faire avec amour. On doit le faire avec respect pour les autres. On doit le faire pour que Christ soit glorifié. On ne doit pas le faire parce qu'on veut qu'on nous voie. On ne doit pas le faire parce qu'on veut que le pasteur voie, ou encore que la femme du pasteur nous voie. On doit le faire, souvent même dans le secret. On doit le faire sans que quelqu'un ne nous voie. Mais on sait qu'on glorifie le nom du Seigneur. Et souvent, vous savez, le problème, c'est que l'église de Christ est très forte dans la mise en scène. Souvent, on est fort dans la mise en scène. Quand on voit le pasteur, on court dans tous les sens. Quand on voit la femme du pasteur, on fait semblant de ne pas la voir, mais on court dans tous les sens. Parce qu'on veut qu'elle voie, parce que quand elle voit, elle va aller dire à papa pasteur. Et cette mise en scène doit s'arrêter. Elle doit s'arrêter. Elle doit s'arrêter. Moi, je crois que les portails célestes sont assurément ouverts en ce lieu. Et le Seigneur va nous permettre de vraiment d'aller sur certains points, mais écoutons et faisons en sorte que la parole ne tombe pas à terre, que chacune reçoive, qu'on reçoive ce que Dieu a. Donc, vous voyez, nous sommes dans ce tournant. Si l'Église doit jouer ce rôle-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette grande majorité, qui est cette majorité féminine, doit connaître son identité, son rôle, dans l'importance de son rôle dans l'Église, l'importance de son rôle dans la famille, dans la société. Et si cette majorité est debout pour assumer correctement ce que Dieu veut, parce qu'elle connaît son identité, c'est en ce moment-là que nous allons répondre à la vocation céleste. Cette vocation céleste qui nous est adressée en tant que femme. Et c'est pourquoi, voyez, le psaume 68, verset 12 dit, le Seigneur dit une parole et les messagers de bonnes nouvelles sont une armée.
Parce que les femmes doivent jouer un rôle déterminant dans la chute définitive de l'ennemi. Elles doivent jouer un rôle critique. Et il faut qu'elles le sachent. Il faut qu'elles sachent pour faire partie de cette armée de femmes. Il faut qu'elles sachent pour faire partie de cette armée de femmes en mission. Mais des femmes équipées, des femmes persévérantes, des femmes de vision et des femmes qui comprennent ce que Dieu veut pour chacune d'entre elles. Et nous devons renverser les tendances. À partir du moment où nous connaissons l'identité, notre identité et nos rôles, nous devons renverser les tendances pour que les mentalités puissent changer et permettre que nous puissions accomplir nos destinées prophétiques. Donc les tendances doivent être renversées. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Dis à ta voisine, la tendance doit être renversée. Mais quand tu dis ça, tu ne dis pas ça de façon... Maman Bijou, il faut le dire de façon forte là. La tendance doit être renversée. La mentalité doit changer. Non mais hey, celle à qui tu dis là, je ne crois pas qu'elle soit convaincue. Retourne-toi et dis à quelqu'un d'autre. La tendance doit être renversée. La tendance doit être renversée. La mentalité doit changer. Alléluia. Est-ce que tu veux acclamer le Seigneur? Donc quand nous disons la tendance doit être renversée, il y a quelque chose qui doit changer. Forcément par rapport à la femme, quelque chose doit changer. Et vous savez, le naturel commande toujours, et le spirituel plutôt commande toujours le naturel. Ce qui a une raison spirituelle, ça commande toujours ce qu'on voit. Comment le monde voit même la femme? Comment le monde voit? Parce que il y a pas mal de points que nous allons voir, mais il est bon qu'on sache, même vous voyez le monde même là, comment le monde voit la femme. Quand nous parlons de la femme, nous parlons de la femme et la couche féminine. Cette gente féminine sans distinction de race, d'ethnie et tout, cette gente féminine là, nous parlons d'elle. Et donc, et les femmes à travers le monde, quand nous regardons, quelle est la situation des femmes? C'est-à-dire chrétienne ou non chrétienne, quand nous regardons de façon générale, le pasteur a dit tout de suite tantôt que les femmes qui sont violentées, les femmes qui sont violées, les femmes qui sont meurtries, le ministère s'occupe de ces femmes-là. Mais regardez d'où vient tout cela. Quand nous regardons, les femmes de façon générale, elles sont confrontées aux mêmes défis. Les mêmes défis pour toutes les femmes. Et le même espoir pour toutes les femmes. Cet espoir, c'est quoi? Elles veulent s'épanouir dans l'église, elles veulent s'épanouir dans la famille, elles veulent s'épanouir dans une société où elles sont reconnues, où elles sont capables de contribuer au développement du milieu où elles sont. Ça, c'est le même espoir et le même défi qu'elles partagent à tous les niveaux, c'est ça. Elles veulent au moins s'épanouir. Elles veulent qu'on reconnaisse leur identité. Elles veulent qu'on reconnaisse l'importance de leur rôle. Elles veulent aussi qu'on reconnaisse qu'elles sont capables de contribuer au développement d'un milieu où ils se trouvent. Et donc ce défi-là, et ce même défi pour toutes les femmes-là, si vous regardez bien, ça se bute à des préjugés et des facteurs socioculturels. C'est pourquoi vous allez entendre à des niveaux, la femme, non, elle ne peut pas faire certaines choses. La femme, elle ne peut pas être capable de faire ci ou ça. Dans l'église de Christ aussi, on entend ça. Je sais que quand j'ai été consacré pasteur, certains se sont posé des questions. Et vous savez, c'est même un journaliste qui n'est même pas de chrétien qui un jour, ils étaient deux, ils sont venus dans mon bureau pour m'interviewer pour certaines choses. Et c'est là qu'ils m'ont dit que, mais vous savez, quand vous avez été consacré pasteur, nous, on se demandait pourquoi et on vous a consacré pasteur parce qu'il y a pas, on n'avait pas trop entendu parler de femmes pasteurs comme ça chez nous. Et que certains ont dit, est-ce que le pasteur Karambiri ne l'a pas consacré juste parce que c'est son épouse? Ou est-ce que vraiment une femme peut être pasteur?
Et un journaliste qui n'est pas de notre foi qui me dit ça. Que donc, eux, ils se sont posé des questions. Et après, il ajoute que mais ce qui nous amenait à nous renforcer dans notre conviction, que est-ce que c'était normal qu'une femme soit installée pasteur, que c'était vos co-religionnaires. Comprenez ce que j'ai dit? Nos co-religionnaires. Donc, des gens qui sont même dans le milieu chrétien et qui alimentaient des discussions autour de cela. Et donc, ce journaliste me dit que mais donc depuis qu'il y avait tant de débats, d'échanges autour de ma personne, qu'eux, ils ont commencé à observer. Parce qu'ils se sont dit, elle là, il faut qu'on la suive de près pour voir en quoi une femme peut être pasteur et puis réussir un ministère. Donc, je ne savais pas qu'il y avait, c'est-à-dire des gens, même des groupes, qui suivaient un peu ce que je faisais. Si vous êtes, on est des femmes en mission pour Christ, sachons-le, le monde nous regarde. Et les autres nous regardent. Dans la société, on nous regarde. Dans l'église, on nous regarde. Dans la famille. Est-ce que tu vis un modèle de famille qui glorifie le Seigneur? Quel est le témoignage que tu donnes? Le monde nous regarde. Et nos co-religionnaires nous regardent. C'est l'enseignement qu'on peut tirer de là. Et le journaliste qui dit, mais aujourd'hui, ce jour-là d'ailleurs, ce jour quoi, il me dit que mais aujourd'hui, nous sommes tous convaincus qu'une femme peut être pasteur. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Et je lui ai demandé, mais pourquoi? Ah, il dit que mais nous, on suit tout ce que vous faites et nous sommes témoins de certains témoignages qui nous ont bouleversés. Nous avons vu des paralytiques pour qui vous avez prié. Et ces paralytiques se sont levés au marché et c'était au vu et au su de tout le monde. Nous avons vu des gens qui avaient des os brisés et vous avez prié. Ils se sont levés et les os ont craquelé pour se mettre en place. Et nous avons dit, ah, on a même rarement vu ça avec des hommes. Mais comment par une femme, de pareilles choses peuvent se passer? Les frères et sœurs sont là, ils sont au courant de ces témoignages. Donc ils disent, mais donc ça nous a bouleversés. Et que vous étiez, il y a un qui dit, mais oui, moi j'ai suivi un des témoignages. Vous étiez au niveau de la prison civile et nous avons vu le cas de ce paralytique là qui avait des jambes flasques et pour qui vous avez prié et on a vu ce paralytique se lever et marcher. Donc on s'est demandé, mais comment Dieu fait des choses comme ça à travers une femme? Et on a vu des gens qui étaient presque morts, vous avez prié, ils se sont levés et qui ont témoigné publiquement. On a vu des malades de sida pour qui vous avez prié. Et on les a vus guéris, ils ont témoigné avec leurs résultats. Et on a dit, ah, ça veut dire qu'une femme, Dieu peut travailler à travers une femme. Ce que je suis en train de dire, c'est que le monde va nous regarder. Maintenant, est-ce que nous sommes nous-mêmes conscients que nous sommes en train de cheminer sous le regard du monde? Donc, comme je l'ai dit, il y a des préjugés. Chacun dit, est-ce qu'une femme peut? À l'église, on dit, est-ce qu'une femme peut? Dans la société, on dit, est-ce qu'une femme peut? Dans les communautés traditionnelles, n'en parlons pas. J'étais au Bali, fonctionnaire international, on était parti dans un village pour faire des petites enquêtes parce que la Banque africaine de développement devait financer des projets. Et donc, on était en train de parler un peu avec les communautés pour voir est-ce qu'on peut confier, c'est-à-dire injecter beaucoup d'argent au niveau des femmes. Et il y avait un jeune chef de village. Je me suis demandé s'il avait même 24 ans. Et c'était lui le chef de village. Et il était en train de dire, ah non, il ne faut pas injecter tant d'argent pour les femmes. Et nous qui posions des questions, nous étions presque toutes des femmes. Il n'y avait qu'un homme parmi nous. Et ce jeune chef de village dit, on lui a demandé, mais pourquoi? Il dit, non, la femme, elle est bête, quoi. Oui, il a dit ça. Elle ne peut rien faire de consistant. Il y a un qui, à côté du chef qui dit, oui, Dieu a créé la femme comme ça. D'ailleurs, même quand elle a l'argent en main, c'est comme une malédiction.
L'argent là ne se fructifie pas. Mais et ce jeune chef là était en train de parler ainsi. Et puis on devait écrire les réponses. Et il disait ça à qui? À nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il parle aux femmes. Et les femmes doivent écrire ses réponses. Et il nous dit, vous êtes bêtes. Mais c'est ça. Quand il dit les femmes, est-ce que je suis un homme? Ah, je suis une femme, non? Donc il est en train de me dire que moi-même je suis bête. C'est ça? À un moment, je ne pouvais plus écrire les réponses. Je me suis arrêté, j'ai dit bon. Hey, chef de village. J'avais envie de lui dire bon, petit. Mais après, j'ai dit chef de village. Il faut arrêter ça. La femme, c'est elle qui vous a mis au monde. Oui ou non? Donc c'est la femme qui fait que vous êtes devenu là où vous êtes. Donc quand je lui disais tout ça, il a fait comme ça parce que pour lui, il est en train d'apprendre quelque chose. Mais sinon, voilà tout ce qu'on lui a dit de la femme. Il a grandi avec ça. Et on lui a toujours dit ça. Et quand nous sommes allés vers les femmes pour demander comment elles voyaient si on injectait des fonds pour elles, puisqu'elles ont toujours entendu qu'elles ne valent rien et qu'elles ne sont rien, elles aussi, elles ont commencé à dire, en tout cas, nous, on ne peut pas, parce qu'on ne peut pas gérer tout ça. Elles ont fini par croire que c'est tout à fait normal. Leur situation là, elles ont fini par croire que c'est normal. Et donc, aujourd'hui, la question de l'identité de la femme, c'est une question extrêmement critique et extrêmement importante. Parce que c'est un phénomène, il y a un phénomène autour de ce thème. On a tellement dit aux femmes qu'elles ne valent rien, qu'elles ne sont rien, elles ne peuvent rien faire. Elles ont fini par croire qu'elles ne valent rien. Et c'est devenu normal pour elles. Donc quand c'est ainsi, est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Il faut du travail pour les ramener sur leur identité et leur donner la conscience de ce que Dieu a prévu vraiment pour elles. Parce que, voyez, le monde a sa vision de la femme. Avec tous les préjugés, avec tous les clichés, le monde a sa vision de la femme. Et donc ces préjugés, les facteurs socioculturels qui sont là et qui excluent même les femmes de ces sphères de décision et d'action à certains niveaux, comme ce que je viens de dire. Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? La femme là, comment on la voit? Quand vous regardez dans toutes les sociétés, un peu partout, on voit en la femme souvent une simple procréatrice. Voilà, elle est là, elle doit perpétrer la descendance de l'homme et la pérennité donc de la race. Est-ce que je me fais comprendre? Dans certaines sociétés, c'est ainsi. Donc ça fait que il y a comme une discrimination qui est faite à l'endroit de la femme par rapport à certaines situations, certains domaines. Par exemple, quand vous prenez le domaine de l'éducation, le domaine de l'emploi, le domaine des salaires et même de la propriété, dans certains milieux, on te dira que la femme ne peut pas faire certaines choses. Elle ne peut même pas détenir certains biens. Et il faut qu'elle soit toujours parrainée. Sinon, elle ne peut pas le faire. Donc, si nous regardons, et par exemple, en 2014, il était dit que les femmes représentaient environ deux tiers des analphabètes dans le monde. Deux tiers. Ça ne vous choque pas? Moi, ça me choque. Et en 2015, il est dit que les femmes gagnaient 24 fois moins que les hommes dans toutes les régions du monde. 24 fois moins. Et c'est des études très sérieuses qui ont dit ça. Et ce sont des écarts qui ont persisté jusqu'à aujourd'hui dans certaines régions. Par exemple, il y a un rapport au niveau donc du système des Nations Unies qui a montré, par exemple, que dans tout le monde entier, par exemple, les femmes parlementaires, c'était 1 sur 5. 1 sur 5. Et en 2016, il y avait, quand on parlait des chefs de gouvernement, il y avait 10 chefs de gouvernement dans tout le monde entier. Donc, sur combien de pays? Donc, quand on regarde tout cela, et que les femmes elles-mêmes sont d'accord avec ce qui est dit, parce qu'on leur a toujours dit ça, donc, elles se considèrent comme le sexe faible. Et comme on le dit, c'est un sexe faible.
Et surtout, dans le milieu chrétien, on va prendre tout de suite 1 Pierre 3:7 pour dire, ah, l'apôtre Pierre même a dit que la femme est un sexe faible. Alors qu'on n'est pas allé dans le fond pour voir qu'est-ce que l'apôtre Paul Pierre était en train de dire. Il était en train de parler de la sensibilité, de la complexité de la femme. Parce que la femme, à des moments précis, a une activité hormonale en elle qui fait qu'elle peut avoir des humeurs changeantes. Donc c'est cette sensibilité. Et Pierre, en fait, il disait, parlait de ça. Il n'a pas qualifié la femme en tant que telle comme une femme, une personne qui a de la faiblesse. Allez-y, dans plusieurs versions de la Bible, vous allez voir ce qu'il a voulu en réalité dire. Mais maintenant, quand c'est fait, tout cela mis ensemble, comme je l'ai dit, la femme va manquer d'estime de soi. Elle va manquer de confiance en soi. Elle se dévalorise. Et elle rentre dans une dépendance morale. Et c'est pourquoi, quand nous regardons, en plus de tout ce que nous venons de dire, nous allons voir, comme le pasteur Pajot l'a dit tout de suite, tantôt, il a dit, quand vous regardez, il y a des violences physiques, des violences psychologiques au niveau des femmes. Quand vous regardez le tableau de ce monde-là, les cris qu'on entend les plus, c'est les cris des femmes. Les femmes qui sont blessées, les femmes qui sont meurtries, les femmes qui sont violentées, les femmes qui sont violées. Et celles qui subissent des sévices corporels, ça aussi on n'en compte pas. Par exemple, en 2014, il est dit qu'en France, 118 femmes ont été battues et sont mortes à cause des coups donnés par leurs conjoints en France. Ça ne vous choque pas? C'est choquant. Donc, vous voyez, et la plus subtile de toutes ces violences-là, c'est ce qui s'exerce sur le mental. C'est ce qui s'exerce sur le mental. En ce moment-là, c'est des mépris, des injures, l'humiliation. Et il y a certains milieux, les femmes sont tellement meurtries, humiliées, rejetées, qu'on se demanderait si vraiment elles sont des êtres au même titre, pied d'égalité que des hommes. Donc quand nous regardons cela, nous sommes en mesure de dire que le potentiel même de la femme, quand elle se retrouve dans un environnement pareil, le potentiel de la femme, qui est en principe un potentiel énorme, ce potentiel-là peut être effrité. Effrité, simplement parce qu'elle-même, elle n'a plus d'ambition. Effrité parce qu'elle n'a plus d'estime en soi. Effrité parce qu'elle ne croit plus en elle-même. Elle perd l'estime de soi. Et donc, quand c'est ainsi, donc, qu'est-ce qu'on peut tirer d'une femme qui est meurtrie, qui est rejetée, en qui personne ne croit? Qu'est-ce qu'on peut tirer d'elle? C'est difficile. Et c'est là où nous devons voir si le monde a cette vision et tout ce qui se passe autour de la femme, Dieu aussi a sa vision. Ton Dieu a une vision pour toi. Ton Dieu a parlé sur ta vie. Ton Dieu ne t'a pas créé en vain. Ton Dieu t'a créé pour un but. Parce que ce Dieu-là, la parole de Dieu dit dans le livre des Proverbes, Proverbes 16, verset 4, que Dieu ne fait rien sans un but. Il a créé l'homme, il a créé la femme, mais c'est pour un but. Donc, Dieu a sa vision. Si le monde a sa vision, Dieu a sa vision sur la femme. Et donc, tous les défis auxquels la femme est confrontée n'enlèvent en rien le projet de Dieu pour la femme. Ça n'enlève en rien. Et c'est pourquoi Dieu veut que nous sachions une chose. Comme il le dit dans Ésaïe 55, verset 8, que ses pensées ne sont pas nos pensées. Et ses voix ne sont pas nos voix. Ses pensées sont toujours élevées au-dessus de la pensée de l'homme. Et donc, lui, il sait ce qu'il a mis dans la femme. Il sait ce qu'il a créé et ce qu'il a façonné et comment il voit la femme au niveau de l'église, au niveau de la famille et au niveau de la société. Et donc nous devons être sur la même longueur d'onde que Dieu et parler le même langage que Dieu. Revenir sur la parole de Dieu pour savoir quelle est l'identité et le rôle de la femme dans l'église, dans la famille et dans la société. Et nous devons parler le même langage que Dieu. Parce que ce que Dieu a dit, nous devons fonctionner selon ce que Dieu a dit. Et nous voyons dans le livre de... Quand nous allons à Genèse 2, à partir du verset 7, nous voyons ce qui s'est passé. Il est dit que lorsque Dieu créa l'homme,
Il le créa d'abord en esprit. Esprit, puis il lui forma un corps. Et donc, Genèse 2, verset 7 dit, il forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie et il devient un être vivifiant. Vivant. Donc, cet homme, Adam, là, la parole de Dieu nous montre qu'il a été placé dans le jardin. Dans le jardin d'Adam et d'Éden. Mais il était seul. Mais qu'est-ce que nous voyons plus tard? Dieu vient et dans Genèse 2, 18, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il a vu l'homme vivre. Et il a vu qu'il y a quelque chose qui manquait dans sa vie. Quand on prend le mot aide en hébreu, cela c'est ézer. Et ézer en hébreu veut dire aider, secourir. C'est-à-dire le secours, la protection. Quand donc nous regardons comment la femme a été façonnée, il est dit dans Genèse 2, verset 21, l'Éternel Dieu, il prit une côte de l'homme. Une côte. Hein? Il prit une de ses côtes et qu'est-ce qui est dit? Il referma la chair à sa place. Il a pris une côte. Dieu était en train déjà de prophétiser sur cette femme-là. Dieu était déjà en train de nous parler sur la femme. Il dit, il prit une côte. Et la parole de Dieu ne nous dit pas que après là, là, ici ce que je vois, et c'est ce que ma Bible dit, il referma la chair à sa place. Est-ce qu'il a fabriqué une autre côte pour mettre là-bas? Est-ce qu'il a mis autre chose là-bas? Est-ce que la côte là n'appartenait pas à l'homme? Est-ce que ce n'est pas une partie de lui? Donc il a pris cette côte là, il a façonné la femme. Et il a amené la femme vers l'homme. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ce qui manque chez l'homme là, c'est que c'est chez la femme que tu la trouves. Et c'est pourquoi, quand le pasteur Pajot dit, il faut que l'homme et la femme, une aide semblable. Ici là, si vous regardez bien, ce qui va manquer chez l'homme, vous trouverez ça chez la femme. Et c'est pourquoi le couple... ensemble, ils sont une seule chair. Et Dieu a façonné la femme. Ici, quand on dit il a formé l'homme, en hébreu, j'ai regardé, mais pour la femme, il est dit, il a façonné la femme. Ça veut dire que c'était de façon délicate. C'était de façon... C'est-à-dire, il a mis tout son cœur. Il a façonné cette femme-là. Et je suis sûr qu'en amenant la femme vers l'homme, il lui a donné un cahier de charge. Un cahier de charge par rapport à sa vie avec cet homme, par rapport à sa vie dans la famille, il lui a donné un cahier de charge pour que cette femme-là auprès de l'homme assure son rôle de ézer. Ézer qui est une aide, qui est un secours, qui est une protection, qui est un bouclier. Donc si la femme est une protection, un bouclier, cela veut dire que c'est une sécurité pour l'homme. Et donc, il faut que chaque femme comprenne qu'elle est une sécurité chez l'homme. Et quand on va plus loin dans ce terme-là, dans la parole de Dieu, on va retrouver le terme ézer. Dieu se l'attribue lui-même comme le secours, comme la protection. Et nous voyons cela dans la parole de Dieu à certains endroits. Et comme c'est un terme en hébreu, on retrouve ce terme-là. Dieu même utilise ce terme-là pour se qualifier. Donc quand c'est ainsi, ça veut dire qu'il y a une révélation profonde que tu dois avoir. Ça veut dire que Dieu a fait de toi une protection, un bouclier, une sécurité pour cet homme-là. Et c'est pourquoi quand Dieu a amené la femme vers l'homme, il a dit, os de mes os, la chair de ma chair. Il était en train de jeter l'explication sur ce qui s'est passé. Os de mes os. Dieu n'a pas prélevé cet os-là au pied. Il n'a pas prélevé ça sur la tête.
Il a prélevé ça sur la côte. La côte. Et les côtes, c'est le mécanisme de protection qui embrasse les organes les plus sensibles de l'homme. Et qui embrasse tout ce qui est sensible et vital au niveau de l'homme. Donc Dieu était déjà en train de parler sur la femme. Dieu était déjà en train de parler sur ce que le rôle prophétique que la femme doit jouer. Et Dieu était en train de dire à la femme, regarde, c'est cette côte-là qui représente le mécanisme de protection des organes vitaux de l'homme. Parce que tous les organes vitaux se trouvent inclus, c'est-à-dire cachés au niveau des côtes. Le pancréas, le cœur et tout, tout est à l'intérieur. Donc Dieu était en train de dire, femme, que tu dois jouer un rôle de protection. Et ton rôle est critique au niveau de l'homme. Ton rôle est un rôle de sécurité au niveau de l'homme. Ton rôle est un rôle de bouclier. Et le bouclier, c'est cette grosse plaque-là qui protège le cœur d'un homme qui peut être en combat. Donc le bouclier aussi n'est efficace que quand on l'entretient. Donc ça veut dire quoi? L'os de mes os, la partie essentielle de l'ossature. Et vous voyez, l'épine dorsale qui est très sensible. Un homme, qui qu'il soit, quand on touche l'épine dorsale, il va chuter. Oui ou non? L'épine dorsale, c'est la partie la plus, une partie sensible de tout le corps humain. Et c'est la partie essentielle de l'ossature. Et donc, qui est tellement sensible et en même temps fragile, que quand on le touche, ça dit, on amène, cet homme la chute forcément. C'est pourquoi, quand Satan est venu dans Genèse 3, il a touché l'épine dorsale. Il a touché Ève à travers la manipulation et la ruse. Quand il l'a touché, l'homme a chuté. Même physiquement, c'est ainsi. Est-ce qu'on est d'accord? Spirituellement aussi, c'est ainsi. Et c'est pourquoi chaque femme doit s'éveiller sur son rôle. C'est extraordinaire. Nous avons un rôle c'est-à-dire extrêmement délicat. Nous sommes la protection, nous sommes la sécurité, nous sommes une assurance pour l'homme. Vous êtes silencieuse. Hein? Est-ce que tu acceptes cette parole ce soir? Est-ce que tu acceptes cette parole ce soir? Donc, quand une femme arrive à comprendre cela, elle ne va pas s'amuser avec son rôle. Son rôle auprès de son mari. Parce que, comme Ève, si cette femme-là ne tient pas dans son rôle, et en veillant sur ce qu'elle est, pour l'homme et pour la famille, l'ennemi va s'infiltrer. Et généralement, il s'infiltre en allant tout droit vers la femme. Parce que, je crois, Satan a vu certaines faiblesses aussi au niveau de la femme. Satan a vu que nous parlons beaucoup. Ça aussi, c'est une vérité. C'est vrai ou faux? Satan a regardé. Satan n'agit jamais s'il ne prend pas le temps de détecter certaines failles. Et en détectant les failles, parce que si Satan a pu s'en prendre au règne de Dieu en tant que Lucifer, c'est pas au règne de l'homme qu'il ne va pas s'en prendre. Et ici, il s'en est pris au règne de l'homme à travers la ruse, à travers la manipulation, et il a touché l'épine dorsale, l'os de mes os. Adam était en train de prophétiser. Il est en train de dire des choses extrêmement importantes, c'est-à-dire la partie essentielle de l'ossature. Et l'épine dorsale, quand on le touche, on touche tout l'être, et c'est ce qui a fait qu'il est tombé. Il a chuté. Et il dit la chair de ma chair. Il parle de couverture. Donc ici là, il faut rentrer dans cette révélation là et comprendre que tu es trop importante, femme. Et à cause de toi, la maison va tenir, et à cause de toi aussi, la maison peut tomber. Donc tu as un rôle extrêmement important, et il faut que toi tu saches que tu n'es pas n'importe qui. Et il faut que tu saches quelle est ton identité. Il faut que tu saches aussi que tu es co-mandataire avec l'homme. Et ça, il faut le retenir. Parce que dans Genèse 1, versets 26 à 28, il est dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il est dit,
Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, il bénit qui? Il bénit Adam, il bénit Ève. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, ici, regardez tout ce que Dieu dit là. Ici, la femme est co-mandataire avec l'homme. Elle est co-mandataire avec l'homme. Mais maintenant, pourquoi Dieu dit, si vous voyez dans le psaume 115, verset 16, il est dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au fils de l'homme. Il a donné la terre au fils de l'homme. Alors que Dieu, ce que Dieu voulait, comme la femme est co-mandataire avec l'homme, Dieu voulait que l'homme, l'être humain soit son représentant sur la terre. Et puisqu'il a donné la terre au fils de l'homme, donc ici, l'homme était chargé d'étendre le royaume des cieux. Mais maintenant, le royaume des cieux, quand nous regardons, c'est quoi? Romains 14, verset 17 dit, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. C'est ce que la parole de Dieu nous dit du royaume des cieux, de Dieu. La justice, la paix, la joie, trois choses qui représentent l'aspiration profonde de toute l'humanité. La justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Donc quand une justice sociale est bafouée, vous êtes d'accord avec moi, c'est ce qui amène souvent l'incivisme et tout. Donc ici là, la justice, au-delà de la justice sociale, il y a la justice même de Dieu, qui est la paix et la justice de Dieu, qui est la bonne relation entre le Créateur et l'humanité. La justice de Dieu, c'est la bonne relation entre le Créateur et l'humanité. Et donc ici, quand l'homme et la femme ensemble, ils doivent manifester l'expansion du royaume, ils doivent travailler à faire en sorte que la paix, la joie par le Saint-Esprit se manifeste sur la terre. Et si donc nous sommes d'accord avec cela, la femme est co-mandataire avec l'homme. Et si elle est co-mandataire avec l'homme, en ce moment-là, elle doit comprendre ce que Dieu a mis en elle. Et elle doit fonctionner avec son mari. Elle doit agir avec son mari pour manifester cette vertu-là sur la terre. Donc ici, quand nous regardons, il y a quelque chose que Dieu a donné de très fort pour la femme. Et la femme elle-même doit être consciente de cela. Si elle n'est pas consciente de cela, elle passe à côté de ce que Dieu a prévu qu'elle fasse. Et c'est pourquoi nous devons, quand nous regardons, nous devons comprendre que quelque chose s'est passé de très profond de Dieu à l'homme et de Dieu à la femme. Mais regardez comment Satan, qui a vu tout cela, toute cette importance sur la femme, tout cet enjeu sur la femme, Satan, ici là, en bon stratège, il est venu et il a remis tout en question à partir dans Genèse 3. Donc il est dit, quand il y a eu la chute, nous n'allons pas revenir sur tous les détails, nous le savons. La chute a amené, Dieu a prononcé une série de malédictions. Une série de malédictions sur tous les acteurs, tous ceux qui ont participé à cette chute-là. Mais maintenant, la partie essentielle que toi et moi, en tant que femme, nous devons savoir, c'est cette partie-là dans Genèse 3, versets 14 et 15. Parce qu'il est dit, il y a eu une sentence de Dieu sur la femme. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. C'est Genèse 3 et le verset 15. Quand il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Voici quelque chose de très 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 fort qui a été prononcé, c'est-à-dire une prophétie qui est sortie de la bouche de Dieu lui-même. Et depuis ce temps, un combat fait rage entre la femme et le serpent, entre sa postérité et la postérité de la femme. La parole de Dieu dit,
celle-ci écrasera ta tête, mais toi, tu lui blesseras le talon. La tête représente l'autorité. Si la parole de Dieu, Dieu lui-même dit, celle-ci t'écrasera la tête, ça veut dire quoi? La poste, ça veut dire que celle-ci anéantira ton pouvoir. Celle-ci anéantira ton autorité. L'autorité de qui? L'autorité de Satan. Et toi, tu lui blesseras le talon. Voici une prophétie qui a été prononcée. Et Satan, lui, il a bien pris sa part. Il blessera le talon de la femme. L'instrument par lequel la postérité va écraser la tête. Il blessera son talon. Mais Dieu dit, celle-ci écrasera ta tête. Et toi, tu blesseras son talon. Voici ça c'est un verset clé que toute femme doit bien comprendre. Parce que depuis que cette prophétie est sortie de la bouche de Dieu, un combat fait rage entre la femme et le serpent. Et un combat fait rage entre la femme et Satan. Et chaque jour qui se lève, Satan, lui, il met en application la part de prophétie qui le concerne. Il blessera le talon de la femme. Et chaque jour, il cherche quel est le talon de cette femme qu'il peut blesser. Et c'est pourquoi les femmes, quand nous regardons, on parle beaucoup de blessures des femmes, de blessures sur tous les plans, blessures émotionnelles, blessures au niveau sentimental, blessures psychologiques, toute forme de blessures. Parce que chaque jour, Satan cherche à accomplir cette part de prophétie. Mais au même moment, la femme doit comprendre que Dieu lui a donné une plus grande autorité. Parce que, entre blessé, puisqu'il est dit, entre ta postérité et la postérité de sa postérité, la postérité de la femme t'écrasera la tête. La postérité de la femme écrasera ta tête. Et toi, tu lui blesseras le talon. Cette postérité-là, c'était qui? Dieu parlait déjà d'un événement qui allait se passer. Dieu parlait déjà de la venue de Jésus-Christ. La postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. Et c'est pourquoi nous voyons, et depuis que Satan a entendu cela, il l'a toujours veillé pour que toute postérité de la femme puisse anéantir cette postérité de la femme. Et c'est pourquoi nous voyons, par exemple, dans Apocalypse 12, versets 4 et 5, nous voyons que l'apôtre Jean nous rapporte un événement. Il dit, le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter et afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Vous voyez? Donc depuis ce temps, Satan n'a pas baissé les bras. Depuis que cette prophétie est sortie de la bouche de Dieu, il n'a pas baissé les bras. Et il veillait. Et quand vous prenez du début de la Bible jusqu'à la fin, vous allez voir qu'il y a toujours ce combat qui fait rage entre Satan et la femme, sa postérité et la postérité de la femme. Celle-ci écrasera ta tête, mais toi, tu blesseras son talon. Et il ne fait pas de cadeau à l'instrument par lequel la postérité de la femme va écraser sa tête. Et il ne fera pas de cadeau pour toi, la femme. Il ne fera pas de cadeau pour toi. Et c'est pourquoi chaque jour, toi, tu dois te lever dans la révélation, dans la prière, dans le jeûne, pour discerner comment Satan est en train de chercher à blesser ton talon. Tu dois rentrer dans cette révélation pour comprendre quelles sont ses machinations pour pouvoir blesser ton talon. Parce que quand le talon est blessé, ta marche s'en ressent. Tu ne peux plus avoir une marche comme tu veux. Parce que dès que le talon est blessé, ta marche va s'en ressentir. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Mais la bonne nouvelle, c'est que toi, tu as une autorité plus grande. Toi, quand tu te lèves dans le jeûne, dans la prière, quand tu te lèves dans l'intercession, le Saint-Esprit, surtout quand tu te mets dans le règne de l'Esprit, le Saint-Esprit va t'orienter, te montrer ce qu'il y a à faire, te montrer comment Satan est en train de s'y prendre pour blesser ton talon.
Il va te montrer tout ce qui se passe. Et c'est là où tu dois, en femme avertie, spirituellement aguerrie, tu dois pouvoir détecter tout ce que les ruses de Satan autour de toi. Tu dois pouvoir détecter les façons dont il veut s'y prendre pour pouvoir t'amener, pour pouvoir blesser ton talon. Tu dois t'y prendre dans la prière, dans le jeûne. Tu dois te lever avant tout le monde dans ta famille et commencer à prier. Et prier en langue pour détecter ce que tu ne peux même pas détecter en esprit. Prier ce que tu ne peux pas détecter en intelligence. Prier et faire en sorte que ces projets échouent. Parce que tu as une plus grande autorité et c'est pourquoi tu dois savoir que Dieu t'a mis entre ta main une force que rien ne peut égaler. Mais, comme nous l'avons dit, la postérité de la femme. Qui était cette postérité de la femme? Jésus-Christ, qui est né de cette vierge. Et la parole de Dieu nous dit que dans 2 Colossiens 2, verset 15, qu'il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé les autorités, les dominations et les autorités. Donc, quand nous voyons cela, il a accompli parfaitement ce qu'il devait accomplir. Il a écrasé la tête du serpent. Et quand il a dépouillé, il a été dépouillé, Satan a été dépouillé de sa domination et de son autorité, la parole de Dieu nous dit qu'à partir de ce moment-là, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé dans la vie de tout un chacun. Une nouvelle vie est venue. Mais cette nouvelle vie-là, il faut la comprendre. Il y a un héritage que tu reçois en Christ. Et donc, dans cet héritage-là, tu dois pouvoir, par le ministère de l'Esprit, par tout ce que le Saint-Esprit va te conduire à faire, tu dois pouvoir te mettre hors d'état de nuire. Donc ici, tu dois comprendre que Jésus-Christ a accompli sa mission. Mais toi, tu dois être averti pour savoir qu'à partir du moment où Jésus-Christ a accompli cette mission-là, toi, tu es transporté dans un autre royaume. Tu n'es plus celle-là qui doit rester encore dans les forteresses que l'ennemi avait placées. Tu n'es plus celle-là. Parce que qu'est-ce que Satan a fait? Il a placé des filets d'oppression pour toute femme. Des filets d'oppression sur les pensées et tout. Et des traumatismes de toutes sortes. Tout cela parce qu'il a mis en place un mécanisme de vengeance. Puisque ce combat qui fait rage, depuis Genèse 3:15, ça lui avait donné, Seigneur, cette idée-là, de mettre en place des filets d'oppression. Et il est passé dans toutes les structures. Il est passé dans tous les systèmes. Des systèmes coutumiers et traditionnels. Il est passé dans tous ces systèmes pour rabaisser forcément la femme. Pour dire que Dieu, pour rabaisser la femme et dire que la femme n'est rien. Mais à partir du moment que Jésus-Christ est venu et qu'il a accompli sa mission, qu'il est mort à la croix, la parole de Dieu dit qu'il a dépouillé Satan de son autorité. Et toi, il s'est assis dans les lieux célestes. Et il t'est assis dans les lieux célestes avec toi. Et à partir de ce moment-là, tu n'es plus n'importe qui. À partir de ce moment-là, tu dois savoir que tu es une nouvelle création en Christ. Tu dois savoir que les choses anciennes de ta vie sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles en toi. À partir de ce moment, il n'y a plus, c'est-à-dire que tu n'es plus celle-là sur qui la domination de Satan doit peser. Parce que tu es sorti de son royaume. Parce que tu n'es plus dans son royaume. Et donc, la nouvelle, tu fais partie désormais de cette nouvelle race d'hommes. Et tu dois comprendre que, étant de cette nouvelle race d'hommes, la parole de Dieu dit que les choses anciennes de ta vie sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles, comme 2 Corinthiens 5, 17 le dit. Et à partir du moment où cela est accompli, tu dois savoir qu'à partir de ce moment-là, tu as une nouvelle vie en Christ. Et dans cette nouvelle vie, la parole de Dieu nous dit, dans Galates 3, versets 26 à 29, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus. » Et vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Nous avons revêtu Christ. Et il dit au verset 28, et je crois que chaque femme doit comprendre cela, il n'y a plus ni juif ni grec,
Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. Donc il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme, il n'y a plus ni femme, parce que tous nous sommes un en Jésus-Christ. À partir de ce moment-là, tu dois comprendre que tu fais partie de cette race élue, de ce sacerdoce royal, de cette nation sainte. Et à partir de ce moment-là, tu dois comprendre que tu es en Christ. Christ, la personne de Christ qui est en même temps un lieu. La personne de Christ qui est en même temps une position. Et la parole Colossiens 2:6 dit, puisque tu as reçu Christ, désormais tu dois marcher en lui. Tu dois marcher en lui. Avoir la conscience que tu marches en Christ. Ici, il n'est plus, c'est plus une question d'homme et de femme. Ici, nous sommes tous un en Christ. Et quand nous, la parole de Dieu nous dit cela, nous devons comprendre qu'avec le Saint-Esprit qui est en nous et avec nous, Christ vit en nous. Et Colossiens 1, 27 dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ici, là, on ne parle plus d'hommes et de femmes. Il faut que ce soit clair. Tu as une identité en Christ et tu es bénéficiaire de tout l'héritage que Christ a donné après sa résurrection. Là, tu es bénéficiaire des dons du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit fonctionne à travers toi. Et à partir de là, tu fonctionnes à partir du règne de l'Esprit. Tu es dans ce monde-là, mais tu n'es plus de ce monde. Et tu dois comprendre quelque chose, que tu es une nouvelle création et les choses anciennes sont passées. Toi, tu ne dois plus te référer à ce que Satan et sa horde de démons faisaient quand tu n'étais pas en Christ. Maintenant que tu es en Christ, on ne parle plus d'hommes, on ne parle plus de femmes, on parle de nous tous. Nous sommes un en Christ. Et l'héritage de Christ est pour toi. Tout héritage de Christ est pour toi. Et la parole de Dieu dit que tu as tout en Christ. Donc à partir de ce moment-là, je crois que tu ne dois plus être en train de réfléchir en termes de « Ah oui, moi, je suis juste une femme. » Quand tu dis cela, tu as ignoré l'identité que Christ t'a donnée. Quand tu dis cela, tu n'es pas revenu sur ce qui s'est passé depuis le jardin d'Éden. Quand tu dis cela, ça veut dire que tu ne crois même pas en ce que la parole de Dieu dit que tu es. Et en partie de là, tu es en train de douter de ce que Christ a fait pour toi. Et je crois que quand nous rentrons dans ce domaine de cette nouvelle classe d'hommes, parce que toi tu es dans cette nouvelle classe d'hommes et tu es devenu une espèce, un spécimen particulier de Dieu, une icône de Dieu sur cette terre. Ici, on n'est plus en train de parler d'hommes et de femmes, on est en train de parler de fils et de filles de Dieu. Et en ce moment, tu dois comprendre que tu es héritière et co-héritière avec Christ. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et avec le Saint-Esprit, il est dit que Christ est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Et si ce Christ la vit en toi, et que la parole de Dieu te dit que ce n'est plus une question d'homme ou de femme, tu dois laisser le Saint-Esprit opérer à travers toi. Tu dois être, c'est-à-dire, convaincu de la nouvelle identité que tu as en Christ. Et tu dois rentrer dans cette identité-là, fonctionner à partir de cette identité, marcher selon l'esprit et non selon la chair. Et vous savez, ce qui est un problème souvent au niveau des femmes, c'est que malgré souvent notre nouvelle naissance, nous continuons à laisser la chair dominer sur l'esprit. Et nous ne fonctionnons pas toujours selon le règne de l'esprit. Nous ne fonctionnons pas toujours selon ce que l'Esprit de Dieu nous conduit à faire. Et nous sommes souvent, quand nous ne sommes pas suffisamment renouvelés par la parole, en ce moment-là, la chair prend le dessus. Et quand la chair prend le dessus, nous commençons à réagir et de cette façon à ce qu'on voie plus la chair que l'Esprit. Et je crois que au moment où nous parlons de rétablir l'identité et les rôles de la femme dans l'église, dans la famille et dans la société, nous devons changer totalement de mentalité et nous laisser renouveler par la parole de Dieu.
et fonctionner par la parole de Dieu. Et en ce moment-là, quand tu fonctionnes par la parole de Dieu, et quand tu sais que tu marches selon l'Esprit, et tu marches, tu es en Christ, et tu as la conscience que tu n'es pas en dehors de Christ, tu es en Christ, il y a certaines choses que tu ne feras pas. La crainte de Dieu va grandir en toi, et en ce moment-là, tu seras capable de discerner qu'est-ce que Dieu te donne dans la mission dans laquelle tu es. Puisque nous sommes des femmes de mission, il y a une mission pour toi. Discerne par l'Esprit de Dieu qu'est-ce que Dieu dit de toi. Qu'est-ce que Dieu te donne comme portion, comme partition à jouer. Et à partir de là, nous pouvons en ce moment dire que nous sommes plus que vainqueurs et nous pouvons dire que nous triomphons. Parce que 1 Jean 5:4 dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc, en tant que femme, nous triomphons du monde. Nous devons triompher dans toutes les situations. Et dans les événements qui se passent dans notre vie, nous devons triompher. Et quand nous triomphons, nous prouvons que véritablement Jésus-Christ est Seigneur. Et nous disons en ce moment que Christ vit en nous, l'Esprit de Dieu est en nous, et cet Esprit-là nous fait marcher et de victoire en victoire, de succès en succès, et à tous les niveaux, nous triomphons des circonstances et nous triomphons des difficultés. Ce soir, à partir de ta position en Christ, tu dois changer de mentalité. À partir de cette position, certaines querelles doivent disparaître. Je dis ça parce que ça aussi, c'est les femmes. Et je peux vous garantir que quand il y a une convention, une rencontre où des femmes doivent se réunir, le ciel commence à trembler. Parce que quelque chose va se passer. Et quelque chose sera relâché sur la vie des femmes. Et depuis le trône de Dieu, quelque chose commence à se passer pour les femmes. Mais au même moment, souvent, nous-mêmes, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Parce qu'au même moment, l'ennemi commence à s'agiter. Et quand il s'agite, nous devons, à partir du règne de l'Esprit, nous devons discerner et pour le faire taire. Je vous donne ce témoignage pour terminer. En 2011, nous organisions la première conférence des femmes au Burkina Faso. Et nous avions fait un budget qui était de 18 millions de francs CFA. Et quand j'avais pris le budget, j'ai vu notre père spirituel avec ça. J'étais convaincu qu'il allait nous donner au moins quelques millions. Mais il nous a dit, tous ceux qui organisent une conférence doivent l'organiser par la foi et prier jusqu'à ce que le Seigneur pourvoie. Donc, tout de suite, j'ai appelé les femmes. Et j'ai dit aux femmes, nous sommes face à un budget de 18 millions et nous n'avons rien dans la caisse. La conférence va se passer bientôt. Prions et demandons au Seigneur d'agir. Et deux grands enseignements que je vais apprendre là. Le premier enseignement, c'était quoi? Nos petites, quand nous marchons trop dans la chair, et nos petites querelles souvent bloquent la main de Dieu. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous avons commencé à prier, nous avons vu tout ce qui rentrait, c'est-à-dire sur 18 millions qu'on attendait, on n'était même pas un moment à 2 millions. Et chaque fois, on disait aux femmes, il faut qu'on sème, il faut prier. Et à 3 semaines, à peu près 2 ou 3 semaines de la conférence, on a vu qu'on n'était même pas à 3, 4 millions. Donc là, on a commencé, on s'est réunis, toutes les femmes, et on a commencé à prier en langue. C'est là où le Seigneur nous a arrêtés. Il nous a dit, toutes les petites querelles entre vous là ne me permettent pas d'agir. Et il nous a donné Ésaïe 59, verset 2. Où il dit, son bras n'est pas court, sa main n'est pas courte, mais ce sont nos péchés qui nous éloignent de nos bénédictions. Et donc, ces péchés-là ici, c'était quoi? C'était les murmures entre les femmes.
Ces péchés, c'était quoi? C'était les rancœurs entre les femmes. Et chacune faisait semblant comme si tout allait bien. Mais au même moment, ça n'allait pas. Souvent, on souriait, on riait, on était ensemble. Mais au même moment, ça n'allait pas bien entre certaines femmes. Et quand le Seigneur nous a arrêtés, il nous a dit tout de suite que ce sont ces rancœurs-là qui bloquent toute action venant de lui. Et quand on a voulu dire à la femme, regardons dans nos cœurs et nous devons nous repentir. Donc, pas seulement se repentir, mais nous devons régler les situations entre nous. Mais là, tout le monde, chacune disait, oh non, en tout cas, à mon niveau, il n'y a rien, tout se passe bien. Et vous savez, comme c'était comme un défi pour Dieu, un moment dans la salle, il y a eu un vent qui a traversé toute la salle. L'évangéliste Pauline était là ce jour, je crois. Et ce jour-là, c'était comme, c'est-à-dire, on vivait ça de façon réelle. Le vent, il y avait un vent dans la salle. Et en ce moment, les cœurs ont été saisis. Et tout le monde était à terre. Le Seigneur a révélé tout ce qui n'allait pas. Et parmi des gens qui travaillaient même ensemble, il y avait des rancœurs, des situations qui n'étaient pas réglées, des problèmes de manque de pardon. Et quand les gens se sont relevés de là, chacune est allée vers l'autre. Et on était étonnés d'entendre les raisons qui faisaient que les unes et les autres ne s'entendaient pas. Donc quand les gens se sont repentis ainsi, et chacune a confessé à l'autre, et on voyait des gens quitter là, aller au fond voir telle personne, d'autres se lever là, parce qu'il fallait régler tout pour ôter les blocages. Et donc quand ça s'est passé, je vous assure, ça ce sont les femmes. On a entendu toutes sortes de raisons, des choses qui n'affectent en rien le royaume. Et c'était des petites mesquineries et qui faisaient qu'on était bloqué dans ce projet. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Que si nous, c'est-à-dire Dieu, nous sommes, c'est-à-dire il y a quelque chose de fort sur la femme, mais si nous n'y prenons garde, notre marche dans la chair nous bloque des bénédictions que Dieu veut faire à travers nous. Mais quand il y a eu la repentance et qu'on était sûr que tout le monde s'est repenti, ça c'était d'abord la première leçon. La deuxième leçon, le Seigneur nous a dit, maintenant, vous-même, vous devez commencer à s'aimer. Et s'aimer de tout votre cœur. Ne s'aimez pas en faisant semblant. Et il nous connaît tous. Il sait ce que nous avons dans nos comptes. Et souvent, nous nous asseyons sur nos comptes. Nous ne voulons pas bénir l'œuvre de Dieu. Le Seigneur nous a parlé. Et il nous a dit que nous devons nous-mêmes commencer à bénir l'œuvre. Et quand comme les gens étaient convaincus, et en commençant par nous, et donc j'étais en tant que premier responsable, je me suis mise devant et j'ai sémé comme il fallait. Et le Seigneur m'a dit que l'obéissance là vaut mieux que le sacrifice. Et en ce moment là, j'ai vu les femmes venir. Chacune amenait soit un chèque, chacune venait avec des enveloppes. Et là, j'ai osé m'arrêter dire à Dieu qu'au lieu de 18 millions, je voudrais qu'il fasse la preuve que c'est lui qui a été dans tout cela, le double de 18 millions. J'ai osé réclamer 36 millions. Mais je vous assure, Dieu est fidèle. Et notre Dieu est un bon Dieu. Il est fidèle. Et à la fin de cette conférence, on s'est retrouvés. On avait eu plus de 36 millions, plus des biens en nature. Des bœufs par-ci, des... Donc, c'est pour dire quoi? Je suis en train de terminer pour dire qu'au moment où nous parlons de ton identité, et nous avons vu depuis Genèse ce qui s'est passé, et l'oppression que Satan avait mis sur la femme, et les filets d'oppression qui étaient là pour bloquer la destinée de la femme, ces carcans qui étaient là pour bloquer la destinée de la femme, parce qu'il faut que toi, femme, tu saches définitivement une chose. Satan hait la femme, et en même temps, la femme qui est remplie de l'Esprit de Dieu, il craint cette femme-là. Il craint cette femme. Parce que c'est une femme qui est capable de se lever dans le mandat de l'Esprit et de le faire arrêter par rapport à ses œuvres. Le faire arrêter par rapport à tout ce qu'il fait dans la famille, l'arrêter par rapport à ce qu'il fait dans l'église. Et quand les femmes se donnent la main, quelque chose de nouveau commence à se passer. Et c'est pourquoi, en tant que nouvelle création, en tant qu'ambassadeur et lettre écrite de Christ,
En tant que parfum de Christ, tu es le sel, tu es la lumière, tu dois éclairer. Et tu dois rentrer dans l'identité qu'il a décrite pour toi. Et tu dois vivre cette identité. Et c'est pourquoi, si tu sais cela, et nous avons eu une conférence, vraiment que personne n'imaginait qu'on pouvait avoir une conférence aussi réussie. Mais pourquoi? Parce qu'on est sorti des œuvres de la chair. Et nous avons fonctionné par l'esprit. Et nous avons vu Dieu agir. Et c'est pourquoi, si tu es d'accord avec moi, parce que en fait, la conclusion de ce message-là ce soir, c'est quoi? C'est que quand tu connais ton identité, à partir du peu que j'ai dit, au moins si tu as retenu des parties, tu dois te lever. Et Ésaïe 60, verset 1 dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et agis. Lève-toi parce que tu connais désormais ton identité. Lève-toi parce que tu sais ce que Dieu a mis en toi. Le mandat de l'Esprit est pour toi. À partir de maintenant, tu dois comprendre que les portails célestes sont ouverts sur ta vie. Et tu dois comprendre que tu dois être une véritable femme en mission pour Christ, sachant ce que Dieu a demandé, t'a demandé de faire. Et à partir de là, tout ce qui est boisseau. Parce que si tu te lèves et tu es éclairé, parce que tu sais que la lumière de Dieu est sur toi, et la gloire de Dieu s'est levée sur toi, si tu te lèves, tu dois enlever tout boisseau qui peut étouffer ta lumière. Parce qu'à partir de cette quatrième convention, quelque chose de nouveau doit commencer à se manifester dans ta vie. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Les boisseaux de l'ignorance doivent être ôtés. Les boisseaux de la confusion doivent être ôtés. Les boisseaux de la religiosité doivent être ôtés. Tout ce qui est boisseau qui t'empêche de fonctionner correctement, ces boisseaux-là doivent être ôtés. Pour que tu puisses être une véritable femme en mission pour Christ. Et savoir qu'un jour, tu te tiendras devant sa face. Un jour, tu seras devant lui et devant ton livre, le livre des œuvres. Et le Seigneur te dira, en ce moment-là, bonne et fidèle servante, si tu as pu faire ce que lui t'a dit de faire, si tu as pu marcher dans le couloir de ta destinée, si tu as pu faire exactement ce qu'il t'a communiqué par l'esprit, en enlevant les différents boisseaux qui pouvaient étouffer ta marche, à partir de cet instant, tu peux témoigner de la vie de cette femme-là qui est en mission pour Christ. Est-ce que ce soir, tu as reçu quelque chose? Est-ce que ce soir, nous devons prier pour terminer? Est-ce que tu peux te tenir debout?